Hello tout le monde, salut Nostidius, salut Paunaref, Koukouar, Nonano, comment ça va? Vous m'entendez bien les gars? Les gens, j'ai trop le seum parce que je me regardais dans le retour cam avant de lancer les streams, je ressemble à un bonhomme de neige. Je ressemble à un bonhomme de neige, la vérité, ça m'a déprimé, j'ai failli pas lancer le stream. Bon, c'est pas possible, j'ai pas pensé au fait que j'allais ressembler à ça quoi. Ça va super de mon côté, très contente de vous retrouver ce soir. Comme j'avais annoncé hier, et de toute façon vous avez vu que ça s'est passé comme je l'avais dit, j'ai changé le programme du stream de ce soir, mais ce sera tout aussi cool, donc j'espère que ça vous plaira. Je me suis dit, pourquoi pas se faire un petit react du Squeezos, en sachant que j'ai vu qu'il avait sorti une vidéo hier. Je me suis dit, ça pourrait être sympa en vrai de la regarder sur Twitch. Je sais pas trop si ça se fait des reacts sur Squeezie, en vrai de vrai j'en ai jamais vu, attendez. Est-ce que vous avez déjà vu des reacts sur Squeezie? Si j'écris React Squeezie sur YouTube, ça donne quoi? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, mais bon. Ça se trouve, on n'a même pas le droit de react aux vidéos de Squeezie, je sais même pas. Bon, on tente, après, je vais pas lui voler des viewers, quoi. Il y a Squeezie, je pense qu'il se portera toujours très bien, même si moi, je react ses vidéos. Mais je me suis dit ça peut être sympa, en sachant que je crois que c'est un peu... Enfin, je crois pas que ce soit une histoire d'horreur, non. Non, c'est une... Je crois que c'est une vidéo genre sur un fait divers. Je suis pas sûre, mais on verra bien. Mais je me suis dit, let's go, ça peut être sympa de se réactiver ça ce soir. La vidéo fait 33 minutes, c'est relativement court. Mais si nous, on... Nous, si on trouve d'autres vidéos à react ou d'autres trucs à faire, ça peut être sympa, sachant que j'ai déjà fait le sémantique, c'est tout, donc ce sera pas ce soir. Il banne toute personne qui le fait et il envoie les gardes du corps de Macron pour lui casser la gueule des gens. Mais ça m'étonne pas de ce coup-ci. C'est sûr que c'est ça. C'est forcément lié, en fait. C'est forcément lié. Évidemment, Squeezie macroniste, comme tout le monde aime le dire. Avant... Non, il n'y a pas assez de personnes sur le live. Je voulais voir s'il y avait quelques petites personnes pour faire la promo là, de deux gens que je connais qui se sont lancés sur Twitch. Mais vu qu'on n'est pas beaucoup, je vais attendre qu'on soit peut-être allé quand même 3-4 personnes de plus si ça vient, pour faire la promo de ces gens. Sinon, je les ferai un soir où il y a plus de personnes, peut-être même demain vu qu'on jouera à The Last of Us. Mais voilà, sinon j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que ça serait sympa de faire la promo de ces personnes, sachant que je vais pas streamer la semaine prochaine. Donc si ça vous fait du contenu à regarder, des nouvelles personnes à découvrir, ça peut être cool pour vous. Et puis en vrai, peut-être que je ferai ça souvent si je vois d'autres personnes qui se lancent dans le stream et tout. Je sais que c'est dur de... archi dur de débuter. Et puis en plus, il y a plein de gens qui osent pas se lancer. Donc même si moi je suis une petite streameuse, je me dis que ça peut être sympa de vous donner des... Enfin, de vous faire des petites recommandations de comptes. Ça va être long la semaine prochaine. Ouais! Mais en vrai, il y aura un stream, j'ai menti. Hein. Enfin, quand je dis que je serai pas là, j'abuse. Je vais faire un stream 100% là, sur le jeu d'horreur. Juste, je sais pas quel jour je ferai ça. Je sais pas, Paonaref, si tu as déjà une idée de quel jour on pourrait le faire, vu que ce sera avec toi. Mais je suis preneuse de ton idée. Donc, moi, je suis chaude de savoir en vrai. Je vais peut-être un petit peu baisser la musique. Mais ouais, je sais pas trop quand est-ce que ça sera en soi. Mon dernier live, c'est demain soir. En vrai, ça va faire un petit bout de temps, c'est vrai. Demain soir, je live pas. Enfin, demain soir, je live pas. Jeudi, je live pas. Vendredi, je live pas. Samedi, dimanche, je live pas. Et du coup, le prochain live, ce sera la semaine prochaine. Ou ce sera dans, allez, on va dire 10 jours grand max, quoi. Peut-être mardi soir, je me dis. Oui, ouais, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Peut-être que du coup, le live la semaine pro, ce sera mardi. À voir. Déjà, faut que t'installes OBS, oublie pas. Et puis, ouais, moi j'ai trop hâte, j'ai trop hâte du jeu d'horreur, faudra que je le mette sur mon programme. Si t'es sûr de la date, mercredi repos, ah oui, bah ce serait le moment alors. Si t'es sûr de la date, je le mettrai en programme Twitch dès maintenant. C'est comme genre le Life is Strange, comment ça s'appelle, double exposure, je me dis je peux déjà limite le mettre en calendrier sur Twitch, comme ça les gens verront. Mais voilà, bah écoutez, je vous propose qu'on se lance la petite vidéo de Squeezie. Prenez à manger, prenez à boire, comme je le dis à chaque fois. Installez-vous confortablement. On va se faire le petit react sur la vidéo. Le titre, c'est « Il a été kidnappé pendant 7 ans ». Ça a l'air quand même une histoire bien sombre. Je vais couper la musique. Tac. Je prep la vidéo. J'en ai marre de YouTube qui me met des avertissements parce que j'ai des bloqueurs de pub. Hop.
Et c'est parti, on va pouvoir se lancer la vidéo. Je mets mon petit pouce bleu avant, parce que je sais que je vais apprécier la vidéo comme d'habitude. Mais c'est parti. J'ai cru que t'avais dit que Squeezie avait été kidnappé. Oh, l'info sombre, tu sais, la meuf vraiment qui détient les infos les plus sombres d'Internet. Comme d'hab, je compte sur vous pour me dire si le son il est bon. S'il y a des problèmes de son, n'hésitez pas à me dire. Et nous, on est parti. J'ai quand même la pub. Ok. Le 1er mars 1980, l'officier Bob Warner se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec Niveau son, ça a l'air bon, je trouve. un collègue, il est de garde au commissariat du CIA en Californie. N'hésitez pas à me dire, je remets au début parce que du coup, à chaque fois, vu que je fais mes tests de son, j'écoute pas ce qui se passe. Mais ça a l'air ok niveau son. Le 1er mars 1980, l'officier Bob Warner Nickel. se prépare un café chaud pour affronter la nuit de travail qui l'attend. Avec un collègue, il est de garde au commissariat du CIA en Californie. Et ça lui plaît pas beaucoup, parce que Bob, c'est un gars qui aime l'action. Veiller derrière un bureau, ça l'ennuie profondément. Mais surtout, il est frustré, parce qu'il sait qu'il y a plus important à faire. Depuis plusieurs jours, toutes les unités du coin sont en alerte maximale à la recherche d'un certain Timothy White, un petit garçon de la ville qui a disparu en revenant de son école. Alors il passe le temps comme il peut, par exemple en lisant les derniers rapports pour se tenir à jour sur l'affaire. Et puis en levant les yeux, il semble halluciné. Il croit voir une petite tête blonde le regarder à travers la porte du commissariat. Il se dit que c'est sûrement la fatigue et que l'affaire commence vraiment à le peser. Mais en regardant à nouveau, il comprend qu'il y a bien quelqu'un. Un petit garçon qui tente d'ouvrir la porte du commissariat. Mais l'enfant prend peur, puis part dans la direction opposée. Bob saute de son siège et fonce dehors, tout en appelant du renfort sur sa radio. Arrivé sur le trottoir, il croise à nouveau son regard. C'est bien un petit garçon qui est planté là. Et il est en pleurs dans les bras d'une autre personne, un adolescent, qu'il fixe sans dire un mot. Bob ne le sait pas encore, mais il vient tout juste de retrouver Timothy White, disparu depuis plusieurs jours. Mais aussi. Vous connaissez cette histoire? Je connais absolument certain pas. Certain Steven Steiner, disparu 7 ans plus tôt, et que tout le monde croyait mort. Alors comment ils se sont retrouvés là? Comment ont-ils survécu? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Aujourd'hui, vous allez tout savoir, puisque je vais vous raconter leur histoire. Ouais, je connais pas du tout. Pourtant, les faits divers et tout, les trucs comme ça, de kidnapping, j'ai l'impression que je suis tout le temps grave au courant. Je sais pas pourquoi. C'est des trucs qui me marquent tout le temps. Mais alors ça, j'en ai jamais entendu parler. Moi de ouf, Sean et Daniel. Incroyable, le format il a changé là, au niveau du montage. Steiner. On est le 4 décembre 1972 à Merced, en Californie. La famille Steiner, au cœur de cette histoire, vit dans un quartier calme où tout le monde se connaît. C'est plus ou moins l'endroit parfait pour fonder une famille. Le son et ça pour tombe moi. Bien parce qu'ensemble, les époux Steiner vont avoir 5 enfants. Steven, c'est le troisième de la fratrie et c'est un énorme pot de colle. Il adore son père et il le suit absolument partout où il va. Que ce soit le tracteur de la famille, la pêche ou le canap de la famille si son père y est, et ben Steven y sera aussi. Les seuls moments où ils sont séparés, c'est quand Steven part à l'école. Le matin, toute la fratrie part ensemble sous la supervision de Carrie, le grand frère de la famille. Alors même s'il déteste jouer ce... C'est tellement nul, mais il y a tellement une vibe de l'école dans la School RP sur GTA. Je sais pas si vous aviez suivi la School RP, mais je jure, c'est la même école, c'est le même établissement. Ça doit vraiment être bon, l'établissement par défaut, mais ça y ressemble trop sa mère. Rôle de gardien, ça rassure évidemment leurs parents. Et Steven, lui, il aime pas trop non plus être tout le temps surveillé. Et ça tombe bien, parce que ce jour-là, Steven a de la chance. Il finit les cours à 14h, plutôt que tous ses frères et sœurs, et il peut donc rentrer chez lui tout seul, comme un grand. Sauf que malheureusement, il n'arrivera jamais à destination. Sur chemin du retour, Steven croise la route d'un homme d'une trentaine d'années qui distribue des tracts religieux aux gamins du quartier. Et quand il voit Steven, il se contente pas de lui donner un tract. Il lui demande si sa mère serait prête à faire une donation à l'église du quartier. Vous êtes pas d'accord, Steven, pardon. Il se contente... Le gars là, il ressemble au mec, vous savez, le genre de portrait robot qu'on voit en mode voici le visage que, je sais pas, ils sortent une stat au pif, genre 80% des personnes ont déjà vu dans leur rêve. Et c'est le mec hyper creepy. Il lui ressemble trop, genre si tu lui retires ses lunettes, c'est vraiment le portrait robot de ce gars, j'ai trop l'impression que c'est lui. Route d'un homme d'une trentaine d'années qui distribue des tracts religieux aux gamins du quartier. Et quand il voit Steven, il se contente pas de lui donner un tract, il lui demande si sa mère serait prête à faire une donation à l'église. Alors Steven, qui se méfie de rien, répond que oui, il sait que sa mère est religieuse et qu'elle donne déjà souvent à l'église locale. En entendant ça, l'homme sourit, et puis il se retourne et fait signe à une voiture garée un peu plus loin. Au volant, un autre homme, plus âgé, leur dit de monter. Steven s'installe sur la banquette arrière sans se douter de rien et indique aux hommes la route à suivre pour se rendre chez lui et parler à sa mère. Dans sa tête d'enfant de 7 ans, rien ne lui paraît étrange. Sauf qu'en arrivant devant la maison, la voiture continue d'accélérer.
Steven immédiatement il s'inquiète, il leur dit qu'ils se sont trompés de chemin, mais le gars au volant lui dit de pas s'inquiéter et qu'il va prévenir sa mère par téléphone. Ce gars au volant, c'est Kenneth Parnell. Il vient du parc Yosemite d'où il est descendu avec Murphy, l'homme qui distribuait des tracts. Si Steven connaît leur nom, c'est parce qu'ils se parlent devant lui depuis tout à l'heure et qu'ils cachent pas du tout leur identité. Comme promis, Kenneth s'arrête à une station service et il fait semblant de passer un appel dans la cabine téléphonique la plus proche. Il en revient tout sourire et il explique à Steven que tout va bien. Sa maman accepte qu'il les accompagne sur la route et l'autorise même à passer la nuit avec eux. De notre point de vue, c'est évidemment un énorme red flag. Mais Steven, lui, il a 7 ans, il est innocent, il a pas trop été sensibilisé à ce sujet, et donc il est incapable de comprendre que ces deux hommes veulent lui faire du mal. Pour lui, du moment que sa maman est ok, rien ne peut lui arriver. Et pourtant, le piège vient juste de se refermer sur lui. Mais il n'y a pas que Steven qui vient de se faire piéger, il y a aussi Murphy. C'est un collègue de Kenneth et ils bossent tous les deux au Yosemite Lodge, un hôtel situé au cœur du parc. En fait, Kenneth a compris que ce gars était super facile à manipuler et lui a fait croire qu'aujourd'hui, ensemble, ils allaient secourir un enfant. Ça fait des jours et des jours qu'il bassine Murphy en lui expliquant que les familles de Merced sont violents avec leurs enfants et qu'il en a eu la preuve en discutant avec l'une d'entre elles. Et Murphy, c'est un ancien enfant battu. Donc en apprenant ça, il est révolté et il accepte donc d'aider Kenneth à trouver un enfant et à le secourir. Le problème, c'est que Murphy, il connaît pas vraiment Kenneth. Alors oui, ils sont collègues, mais il sait rien de son passé. Et encore moins qu'en réalité, c'est un criminel extrêmement dangereux, déjà condamné il y a 20 ans pour des braquages, des évasions de prison et pour avoir abusé d'un enfant. Et si Kenneth s'est retrouvé depuis quelques mois dans le parc national de Yosemite, un lieu éloigné donc de tout, c'est pas par hasard. Il voulait juste refaire sa vie dans un endroit isolé, loin de tout soupçon, avant de trouver une nouvelle cible. Après une longueur de route, Kenneth se gare en face du Yosemite Lodge où il a une chambre de fonction. Il fait monter Steven, verrouille la porte et va s'adresser à Murphy. Murphy s'attend à se faire féliciter, mais il se passe tout l'inverse. Kenneth l'engueule et lui dit qu'ils sont tous les deux dans la merde. J'en peux plus, pour moi c'est Kenneth, j'entends Kenneth. Vraiment la matrixée de LOL. Que ce qu'ils viennent de faire va leur attirer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et que s'ils veulent pas finir en prison, il a vraiment intérêt à garder le silence. Murphy, même s'il est très naïf, comprend qu'il vient de se faire piéger par Kenneth et que cette histoire de secourir un gosse était complètement bidon. Mais il a tellement peur d'aller en prison qu'il dit rien et n'avertit personne de la situation. À Merced, dans la ville natale de Steven, c'est la panique générale. Ses parents sonnent aux portes de tout le quartier en découvrant que leur fils n'est pas rentré après les cours. Malheureusement, aucun voisin n'a vu Steven depuis son départ à l'école, et donc très vite, c'est la police qui prend le relais, puis toute la ville se met à essayer de retrouver Steven. Personne n'a envie de croire à une disparition, mais le temps presse. Plus on attend dans ce genre d'affaires, et moins on a de chance de retrouver la personne disparue. Alors les habitants organisent des battues aux alentours, et la police déploie des unités un peu partout pour quadriller la zone. Mais à la nuit tombée, toujours aucune trace de Steven. Les Steiner décident alors de poursuivre les recherches toute la soirée. Ils explorent aussi bien les forêts aux alentours que la décharge de la ville de fond en comble, ils mettent toutes les chances de leur côté. Le lendemain, la police ouvre une enquête criminelle, et procédure oblige, les premiers à passer à l'interrogatoire sont les parents de Steven. Un policier demande directement au père si c'est lui qui a tué Steven, ce qui est horrible pour un parent dans cette situation, mais c'est le protocole, c'est comme ça, les proches sont souvent... De toute façon, les parents à chaque fois, ou juste les proches, la famille et tout, c'est vraiment les principaux suspects en général... Enfin, c'est logique que tu passes par eux avant de passer par les autres, même si ça doit être horrible en tant que proche d'une victime de te faire suspecter comme ça, ça doit être terrible. Les premiers suspects. Et je vous rassure, la police est sur d'autres pistes en parallèle, notamment une très bonne piste. Il y a toute une équipe qui épluche les listes d'employés de la région, notamment ceux qui bossent dans le parc national de Yosemite. Parce que oui, tout le monde le sait, c'est un endroit parfait pour disparaître ou pour faire disparaître quelqu'un. Et c'est une très bonne piste parce que rappelez-vous, Kenneth et Murphy, ils bossent là-bas, donc ils devraient apparaître sur ce registre. Sauf que le garde forestier en charge des listes va faire une immense connerie. Il donne bien aux enquêteurs une liste des employés du Yosemite Lodge, là où bossent Kenneth et Murphy, sauf qu'il n'est pas au courant qu'il y a deux équipes dans l'hôtel. Il communique donc juste la liste de l'équipe A et pas celle de l'équipe B, dont les noms des ravisseurs font partie. A cause de ça, leur nom n'apparaîtra donc jamais dans une liste de potentiels suspects. Pendant ce temps, l'affaire fait le tour de la région. Tous les journaux ne parlent plus que de Steven, et tout le monde se mobilise pour le retrouver. Mais les jours passent, et malgré l'effort des habitants et de nombreux bénévoles, Steven a disparu pour de bon. L'enquête est tellement au point mort que la police désespère et finit par auditionner des médiums dans l'espoir qu'ils aient une piste, mais malheureusement... Oh mon dieu, c'est tellement le truc dans Charmed, la série. Elles font ça avec... Mais je sais pas si c'est avec une... Je sais pas comment ça s'appelle, ce genre de collier avec la pierre au bout, là. Où en gros, tu fais comme ça, aller au-dessus, et c'est censé te donner une localisation, ou un prénom, ou une réponse, un truc comme ça. On dirait un peu Ouija, mais bon, c'est pas ça. J'ai déjà vu la vidéo de Squeezie, mais j'ai voulu venir sur ton stream pour te donner de la force. C'est Velvet ici sur Twitter. Oh, salut, ça fait trop plaisir, merci énormément. C'est trop, trop, trop gentil. Vous vous en doutez, il propose rien d'autre que des théories fumeuses. Et le pire dans tout ça, c'est que Kenneth, il fait pas spécialement d'efforts pour dissimuler Steven. Ça lui arrive de l'emmener avec lui en voiture, de le laisser sur le siège passager, à l'avant, à la vue de tous. Ou même de se balader en dehors de l'hôtel alors qu'il y a des avis de recherche avec sa tête placardée partout. Jamais réellement inquiété, Kenneth a donc une emprise totale sur Steven. Alors je vous passe les détails sordides, mais vous vous en doutez, Kenneth abuse régulièrement de Steven.
Murphy est au courant, mais à cause des menaces de Kenneth, il a trop peur de prévenir la police. Il lui suffirait littéralement d'un seul appel pour sauver ce gamin, et malheureusement ça n'arrivera jamais. Et pourtant, Murphy fait de son mieux pour que Steven aille bien. C'est lui qui est chargé de le garder quand Kenneth part travailler, et il en profite pour lui acheter des comics, des fast-food, de quoi changer les idées en fait. Mais malheureusement, Kenneth va aller encore plus loin dans la manipulation et l'horreur. Je vous interromps avant passer de passer à la suite de l'histoire, mais je dois vous faire préparer votre collègue comme les sites chargés et gaming, comme ce matin. Non, merci. Vous allez croire à Steven que il est maintenant temps de passer à l'histoire. NordVPN, je connais les pubs par cœur. Il va faire croire à Steven que ses parents l'ont abandonné. Il lui explique qu'ils avaient en fait trop d'enfants à gérer et pas assez d'argent pour les élever, et que donc ils ont demandé à Kenneth de le garder et que c'est pour ça qu'il est ici. Il va même en rajouter une couche et lui dire qu'un juge viendrait justement de lui accorder officiellement sa garde. Encore une fois, ça peut paraître gros, mais Steven, c'est juste un enfant de 7 ans qui littéralement ne comprend pas ce qui lui arrive. Il est évidemment très triste en apprenant tout ça, et il commence à croire qu'au final, Kenneth n'est pas si méchant que ça. Et pour marquer le coup, Kenneth lui dit qu'il doit maintenant utiliser un nouveau nom. Steven devient Dennis Parnell, et c'est désormais le fils adoptif de Kenneth Parnell. Et petit à petit, bah, toute cette mascarade, ça finit par fonctionner. Steven finit même par l'appeler papa, alors que les abus continuent tous les jours. Pour continuer de mouiller les pistes, Kenneth fait tout pour jouer un rôle de père sympa au premier regard. Par exemple, il va offrir un chien à Steven, un petit Manchester Terrier que Steven va appeler Queenie. Et pour un enfant de 7 ans, recevoir un chien, c'est un cadeau incroyable. Et à défaut de pouvoir comprendre que c'est juste une façon de le manipuler un peu plus, bah Steven, il va adorer Queenie. Parce que ce petit chien, ça va devenir sa seule source de réconfort dans tout ce cauchemar. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui va lui permettre de tenir, de s'accrocher malgré ce qui lui arrive. Toujours dans l'optique de se faire passer pour un père sympa, Kenneth décide de fêter Noël avec Steven comme si tout était normal. Ils se font un petit repas et il lui offre même des cadeaux comme le veut la tradition. Ouais, l'enfant, il a été kidnappé, et le mec se fait passer pour son genre père adoptif, genre légalement parlant. Et vu que le petit, il a 7 ans et qu'il comprend pas ce qui se passe, bah il le croit, genre. C'est abusé, c'est horrible. Par contre, l'animation est clean. Ouais, non mais les... Vraiment, les vidéos de Squeezie, à chaque fois, elles sont meilleures. Mais après, bon, logique, il a les moyens. Mais là, j'aime bien comment c'est fait. On dirait que c'est encore différent de d'habitude, vous voyez. Genre, ça fait longtemps que là, il anime ses vidéos quand il raconte les trucs comme ça. Mais là, j'aime trop. Ça a grave step up. Là encore, Steven est ravi et la frontière entre nouveau père et ravisseur continue de se brouiller. D'ailleurs, du côté de sa véritable famille, ce Noël, c'est une épreuve hyper difficile. Il célèbre sans Steven à leur côté et sans même savoir s'il est toujours en vie. Mais malgré ça, tout le monde lui a prévu un cadeau dans l'espoir qu'il réapparaisse un jour et qu'il puisse les ouvrir. Et devant la maison des Steiner, des voisins et des policiers se relaient eux aussi pour déposer des jouets et des fleurs. Malheureusement, le 2 janvier 1973, les chances de réapparition de Steven diminuent. Pour moi, c'est des images et le reste des trucs, c'est genre des animations mais faites par un mec, mais je sais pas trop. Encore plus. En fait, Kenneth décide de déménager avec lui à Santa Rosa, à plus de 300 km de Merced. Il éloigne encore plus de sa famille et il décide de l'inscrire dans une école primaire sous sa fausse identité, Dennis Parnell. Il n'existe aucune trace légale de Steven sous ce faux nom, mais malgré l'absence de bulletin et même de certificat de naissance, l'école va quand même accepter son dossier. Et maintenant qu'il est inscrit, Dennis Parnell commence à avoir un début d'existence légale, ce qui est malheureusement une immense victoire pour Kenneth. C'est d'autant plus triste que la famille de Steven a écrit des lettres qu'ils ont envoyées à toutes les écoles de la région pour partager la vie de recherche de Steven, dans l'espoir peut-être qu'un élève ou un prof le reconnaisse. Sauf que dans l'école primaire où est scolarisé Steven, les administrateurs n'ont jamais ouvert cette lettre. Cette lettre qui aurait pu pourtant lui sauver la vie. Kenneth brief Steven et insiste bien sur le fait qu'il n'a pas le droit d'utiliser son ancien nom ou de le révéler, sous peine de se prendre une méga punition, ou même pire, de se faire abandonner à nouveau. Alors malgré lui, Steven devient progressivement Dennis. L'histoire aurait pu s'arrêter un an plus tard quand Steven décide de fuir. En fait, tout se passe très vite un soir où Kenneth dort. Steven en profite pour sauter de la fenêtre de leur maison et fuir à toute vitesse. Sauf qu'une fois dehors, il zone pendant de longues minutes dans les rues de la ville sans savoir quoi faire et où demander de l'aide. Et à force d'errer, bah, il commence à avoir peur. C'est la première fois qu'il est livré à lui-même dans la nature. Donc il se résigne à retourner chez Kenneth sans faire de bruit. Et ce sera sa seule tentative d'évasion. Les mois passent et Kenneth évidemment déménage à nouveau. Il sait que c'est dangereux de rester trop longtemps au même endroit puisque Steven se fait des potes et à force d'être en confiance avec ses potes, bah, il risquerait de leur révéler sa véritable identité et son passé. Il met donc le cap sur une autre ville perdue de Californie pour tout recommencer à zéro. Steven a maintenant 10 ans et il fait beaucoup de conneries, ce qui est pas étonnant vu l'enfer dans lequel il vit. Ça lui arrive par exemple de prendre des allumettes et de foutre le feu à des trucs en pleine campagne. Il vole aussi régulièrement des choses dans des magasins, jamais rien d'énorme, c'est des bonbons ou des jouets par-ci par-là, sauf qu'un jour il se fait prendre la main dans le sac et le boss appelle la police. C'est la première fois de toute sa captivité que Steven croise un policier. C'est l'occasion rêvée pour qu'il puisse enfin s'échapper, il lui suffirait juste de tout raconter et il serait de retour chez lui le soir même. Sauf que les années de lavage de cerveau ont fait leur effet et la seule chose à laquelle pense Steven, c'est la réaction de Kenneth quand il apprendra qu'il a volé un jouet. À aucun moment, il pense à tout raconter à l'officier. On passe une nouvelle fois à deux doigts de sa libération. En fait, c'est normal, mais genre, pour lui, c'est tellement normal que genre, il a aucune raison de raconter ça à un policier, genre, enfin...
Pour nous, ça nous paraît évident, mais genre lui, c'est son quotidien et c'est genre ça, c'est normal pour lui quoi. C'est banal ce qui se passe. À chaque fois dans ce genre d'affaires, tout aurait pu se régler si au moins une personne avait bien fait son boulot. Mais c'est ça, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. J'ai même pas fait attention au tout début de la vidéo s'il avait dit après combien de temps ils ont été retrouvés. Crevé, mais ça va super. Hâte de recevoir mon set d'ongles. Trop contente de te voir. Ça fait trop 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 plaisir. J'espère que tu vas réussir à te reposer. Normalement, ça devrait arriver vite là. Ça a été posté. Puis Colissimo, généralement, ça va assez vite. Après, je sais qu'il y avait eu des petites intempéries. C'est possible que ça retarde, mais tu me diras quand tu l'auras reçu. Waouh, j'arrive pas à parler. Mais ça n'arrive pas. Les années passent et les sévices se poursuivent. Kenneth déménage à nouveau et il se retrouve dans la ville de Compchi en Californie. Comme d'habitude, c'est un coin paumé qui plaît bien à Kenneth et ils y resteront 3 ans. Là-bas, Steven va enfin réussir à kiffer sa scolarité, il se fait plein de potes et il finit même par se sentir un peu chez lui parce que oui, c'est la première fois qu'il reste aussi longtemps dans le même établissement. Il vit un véritable calvaire chez lui, mais à l'extérieur, il a l'air d'avoir une vie tout à fait normale et d'être un garçon épanoui. Il rejoint l'équipe de football américain et il se trouve même une copine. Personne ne peut se douter que derrière ce gamin populaire, il y a en fait ce petit garçon que la famille Steiner cherche depuis des années. Mais alors pourquoi Steven fuit toujours pas son ravisseur, maintenant qu'il est libre et qu'il a plein de potes à qui parler, à qui se confier? Eh ben c'est parce qu'il est atteint du syndrome de Stockholm. Ça fait maintenant des années que Kenneth lui répète en boucle qu'il est son C'était père, sûr, et du bah coup. ça fonctionne en partie. Même si Steven sait au fond de lui qu'il a Le toujours une syndrome référence. de Stockholm, même si je pense que tout le monde sait, c'est en gros quand tu... Enfin, souvent c'est un sentiment amoureux, mais ça peut être autre chose qu'amoureux, ça peut juste être un sentiment d'appréciation et de bienveillance envers ton ravisseur en fait. En fait, c'est tellement devenu banal et c'est tellement ton quotidien que tu t'attaches à la personne, soit parce que tu te rends pas compte de ce qu'elle te fait, ou soit parce que enfin, t'y es tellement habitué que tu t'attaches au mini bon côté que tu peux voir ou que la personne peut laisser penser. Famille, bah il s'est attaché à son bourreau malgré ses abus. D'autant plus que Kenneth, il continue de jouer son rôle de père un peu cool. Il fait tout pour se mettre Steven dans sa poche. Il lui achète tout le temps des Devant cadeaux les gens super et chers tout. comme un scooter flambant neuf, des vêtements de marque ou des baskets que tous ses potes lui envient. Et au-delà de ça, il lui autorise globalement à faire tout ce qu'il veut. Il lui achète de l'alcool, de la drogue, il l'autorise à rentrer à Putain. n'importe quelle heure. Steven a vraiment une liberté absolue. Alors c'est une catastrophe en termes d'éducation évidemment, mais Steven c'est un adolescent et le fait de jouir d'une liberté aussi grande, ça lui plaît énormément. Et puis il y a aussi un dernier truc. Même s'il sait que les abus sont pas normaux et qu'il est une victime, il a vachement peur de révéler ce qui lui arrive. Parce que c'est une époque horrible sur ce sujet, c'est une époque dans laquelle on respecte pas du tout la parole des victimes. Autour de lui, les gens vont plus avoir tendance Déjà à se moquer maintenant, de les lui gars. qu'à véritablement l'aider en fait. Quand vous réalisez que même maintenant la parole des victimes, elle est autant remise en question, imaginez à ce moment-là. Plus simple, c'est donc qu'ils prétendent que tout va bien et de maintenir l'illusion d'une J'ai même vie pas fait heureuse. attention Et à c'est l'année. triste parce que de l'autre côté, ses parents, ils ont jamais abandonné. Ils continuent de le chercher. Ils s'arrangent toujours pour avoir au moins une personne à la maison par peur de louper l'un de ses appels. Son père part régulièrement fouiller des coins reculés et ça lui arrive même de prendre en filature des véhicules suspects. Les parents de Steven ont perdu goût à la vie depuis la disparition de leur fils et c'est ses frères et sœurs qui en paient les conséquences, eux qui avaient pourtant une vie si parfaite. De parents aimants, les Steiner deviennent malheureusement de plus en plus froids et distants avec le reste de la famille. Et celui qui souffre le plus de tout ça, c'est Carrie, le grand frère de la famille. Il a l'impression de grandir sans l'amour de ses parents et sans leur attention, puisque c'est toujours Steven qui est au centre des discussions. C'est un peu normal au vu des circonstances, mais c'est super dur à vivre pour Carrie qui est en pleine crise d'adolescence. Alors il s'isole du monde et il se met à ruminer des idées noires à longueur de journée. Et le contraste entre les deux frères est super violent, puisque d'un côté, on a Steven qui vit en réalité un enfer, mais qui en apparence est un type heureux et qui a une vie normale. Et de l'autre côté, on a Carrie qui a tout pour vivre heureux et normalement, et qui pourtant vit un enfer et n'a ni pote ni copine. Et en parlant de copine, Steven va beaucoup se rapprocher de la sienne et finir par réaliser le scénario que Kenneth craint, parler de son ancienne vie. Ça Aïe se passe aïe. lors d'une soirée alcoolisée où tous les deux sont complètement bourrés. Steven va se mettre à pleurer et à répéter en boucle qu'il veut revoir sa vraie famille, mais sa petite amie va juste penser que c'est des conneries et que c'est l'alcool qui lui fait dire n'importe quoi. Et en même temps, comment lui en vouloir? Personne peut s'imaginer que ce gars si bien intégré serait en réalité une victime d'enlèvement. Mais Kenneth sent que le vent commence à tourner, alors il déménage une nouvelle fois. Et cette fois, ils atterrissent vraiment au milieu de nulle part dans la ville de Manchester, en Californie. Alors déjà, Steven pleure tout le long What du the fuck, il y a trajet une ville en qui se s'appelle disant qu'il va Manchester? encore une fois devoir tout recommencer à zéro, se refaire des potes, retrouver une copine, se réintégrer dans un nouvel établissement. D'autant plus qu'en demandant des infos à Kenneth sur le lieu, il va apprendre qu'il y a littéralement personne à des kilomètres à la ronde. Ils vivront dans une minuscule cabane d'une pièce, complètement isolée du reste du monde. Tout ce qui reste à Steven, c'est Queenie, son chien qui l'accompagne depuis des années. À peine installé, Queenie. Kenneth explique à Steven qu'il doit l'aider à trouver un nouveau garçon. Il rêve d'être un nouveau papa, donc il pourrait recueillir un gamin en détresse. Mais Steven comprend tout de suite que c'est une ruse, il comprend tout de suite les intentions de Kenneth, et cette fois, il se laisse pas faire. Il prétend chercher des garçons, mais il explique qu'à chaque fois il se prend des vents, ou que les gamins refusent de lui répondre. Tout ça dans le but de gagner du temps et d'éviter de faire une nouvelle victime. Mais malheureusement, Kenneth trouve un nouveau complice. C'est une connaissance que Steven a rencontrée dans son nouveau lycée et qui vient régulièrement chez eux pour boire de l'alcool. Kenneth lui promet 50 $ et autant d'alcool qu'il le désire en échange d'un garçon.
Il part donc en chasse à plus d'une heure de route de là, dans la ville d'Uka, et sur place, il tombe sur Timothy White, un enfant de 5 ans, qui rentre de l'école. Comme un flashback de ce qu'a vécu Steven, le complice lui demande de venir avec lui, mais Timothy refuse parce qu'on lui a toujours dit de ne pas parler aux étrangers. En voyant que l'inconnu assiste, Timothy se met à courir de toutes ses forces, mais l'ado part à sa poursuite et le rattrape rapidement. Ça me terrifie. Il le tire jusqu'à la voiture de Kenneth et ils repartent tous en direction de la cabane. Personne n'a vu la scène et les parents de Timothy finissent par lancer l'alerte quelques heures plus tard. Après une heure de route, Timothy arrive à la cabane où il fait la rencontre de Steven. Et à peine arrivé, Kenneth lui annonce que ses parents l'ont abandonné et qu'il est son nouveau fils adoptif. Il lui teint les cheveux, lui donne un nouveau nom, bref, il s'apprête à lui faire vivre ce qu'il a fait vivre à Steven pendant toutes ces années. Mais quelle ordure ! Et c'est un énorme déclic pour Steven. C'est une dinguerie, le fils d'up que c'est, genre. Timothy, il se revoit lui il y a 7 ans. Il revoit le petit Steven. La détresse est exactement la même, tout comme les mensonges que raconte Kenneth. Et à ce moment-là, tout devient clair dans sa tête. Il est hors de question que Timothy subisse le même sort que lui. La nuit tombe et Kenneth part bosser Steven, comme à son habitude. Vraiment. Ça fait des années qu'il fait confiance à Steven, alors lui demande juste de s'occuper de Timothy, sans se douter que ce soir-là, il fera preuve d'un courage exceptionnel qui changera à jamais leur destin. Une heure après le départ de Kenneth, Steven dit à Timothy qu'il va le sortir de là. Il prend un couteau, le cache dans sa botte, puis il met Timothy sur son dos. Et sous le bras, il embarque Queenie, son fidèle chien, qui refuse de laisser derrière lui. On est alors en pleine nuit, au milieu de nulle part, et Steven promet à Timothy qu'il le ramènera chez lui, quoi qu'il en coûte. Timothy lui explique qu'il habite à Uka, une ville à plus de 50 km de là. Impossible de marcher sur une si grande distance en pleine nature, donc Steven décide de faire du stop. Et par miracle, après seulement quelques minutes, un homme s'arrête et accepte de les prendre. Et deuxième coup de chance, il doit justement passer par la ville d'Uka. Cet homme, c'est un Mexicain qui parle très mal anglais et avec qui la discussion est difficile. Mais c'est une bonne chose pour Steven, il veut pas trop discuter ni avoir à révéler la raison de leur voyage. Il a peur que le plan échoue si jamais il en dit trop. Après une demi-heure de route, l'homme dépose les garçons au centre d'Uka. Steven demande ensuite à Timothy son adresse, sauf qu'il a 5 ans et qu'il en a aucune idée. Steven a donc un nouveau plan, suivre le panneau qui indique le commissariat de la ville. En arrivant devant le poste de police, il dépose délicatement Timothy sur le sol, puis lui dit d'aller dans le bâtiment, de parler aux policiers, et qu'après ça, il pourra retrouver ses parents. Oui, Steven n'a aucune intention de se livrer lui à la police. À aucun moment, il a pensé à sa propre situation. S'il fait ça depuis le début, c'est pour secourir Timothy, pas pour se secourir lui-même. Mais mec est trop bon, Alors, il est full sous emprise et il réalise pas, mais ça me paraît bizarre, entre énormes guillemets, parce qu'on peut jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête d'une victime. Ça me paraît bizarre qu'il ait conscience au point de protéger le petit, mais pas de se protéger lui. Mais après, c'est fou, mais le mec a trop bon cœur, genre, c'est impossible normalement ça. Mais oui. Salut Wiznov, comment ça va ? Il a presque oublié qu'il est lui-même une victime. Mais oui. Le petit garçon tend la main vers la poignée avant de fondre en larmes et de s'arrêter. Il a peur, il sait pas ce qu'il doit faire, et puis il court dans la direction opposée, tout droit dans les bras de Steven. De l'autre côté de la porte, l'officier Bob Warner se précipite à l'extérieur. Il a déjà appelé une patrouille en renfort, histoire d'être sûr que ces garçons qui ont l'air trop jeunes pour traîner dehors à cette heure-ci ne puissent pas s'échapper. Ça va, super. En voyant le policier s'approcher, Steven lui raconte toute l'histoire. Il lui raconte que le petit garçon s'appelle Timothy White et qu'il a été enlevé il y a quelques jours. Bob n'en revient pas. Il a face à lui le gamin le plus recherché de toute la région. En revanche, il sait toujours pas qui est Steven, donc il lui demande de l'auditionner pendant que ses collègues prennent la relève et s'occupent de Timothy. Pendant cette audition, l'officier demande à Steven quel est son nom et il répondra à une phrase qui restera iconique dans cette affaire. Il lui répondra « Je suis certain que je m'appelle Steven et je crois que mon nom de famille est Steiner ». Deuxième choc pour le policier qui fait immédiatement le lien avec cette affaire vieille de plus de 7 ans. À partir de là, Steven et Timothy sont sauvés et le cauchemar est enfin derrière eux. Une heure plus tard seulement, Kenneth est interpellé sur son lieu de travail par une dizaine de flics armés. Et Steven confirmera sur place que c'est bel et bien lui qui les a kidnappés. Les flics vont quand même faire un énorme misplay en mettant Steven et Kenneth dans la même pièce pour qu'ils confirment que c'est bien son ravisseur. Et c'est un événement traumatisant pour Steven qui n'a aucune envie de se retrouver face à son ravisseur maintenant qu'il l'a dénoncé et qu'il a plus que jamais peur de lui. C'est tellement intense qu'il va finir par hurler de toutes ses forces avant de quitter la pièce en courant. Kenneth, lui, bouge à peine, il dissimule rien parce qu'il sait qu'il est foutu. Comme d'habitude dans ce genre d'affaires, l'entourage de l'accusé refuse de croire que quelqu'un de si sympa en apparence aurait pu commettre des choses aussi horribles. Et l'entourage de Kenneth n'échappe pas à la règle. Le lendemain matin, plusieurs hélicoptères de grands médias survolent la ville et l'affaire s'apprête à faire le tour des États-Unis tant elle est exceptionnelle. Depuis tout ce temps, tout le monde pensait que Steven était mort et non seulement il est pas mort, mais en plus, il revient en héros. À plusieurs centaines de kilomètres de là, dans sa ville natale, des dizaines et dizaines de journalistes se rassemblent devant la maison des Steiner. Tout le monde... Mais je suis en train de me dire, mais si Kenneth, il avait pas enlevé un deuxième garçon, qu'est-ce que Steven serait devenu en fait ? Est-ce qu'il aurait réussi à aller dénoncer son ravisseur ? Est-ce qu'il aurait réussi à aller voir la police et tout ?
C'est terrifiant. Peut assister à ce dénouement inespéré. Et surtout, c'est un soulagement énorme pour les Steiner qui retrouvent enfin leur fils disparu. Imaginez leur joie, eux qui continuaient de déposer un cadeau pour Steven au pied du sapin chaque année à Noël, eux qui n'ont jamais cessé d'y croire malgré les statistiques qui jouaient en leur défaveur. Et ce qui touche tout le monde aussi, c'est la relation que Steven a avec Timothy. C'est-à-dire qu'ils se connaissent que depuis quelques jours, et pourtant on dirait qu'ils se connaissent depuis des années. Et regardez, même Queenie apparaît sur les images des retrouvailles. Après toute cette horreur, cette parenthèse de bonheur, elle fait du bien. Mais le problème, c'est qu'elle est courte. Parce que si cette affaire est aussi connue aujourd'hui, c'est aussi parce qu'elle est loin d'être terminée. Tout le monde a l'air heureux lors des retrouvailles, et pourtant, il y a quelqu'un qui ne l'est absolument pas. Et c'est Carrie, le grand frère de Steven. Ça se voit d'ailleurs sur cette photo de leur retrouvaille, il a le visage froid et fermé. Il a l'air de rien ressentir alors qu'il serre pour la première fois dans ses bras depuis des années son frère qu'il ne pensait jamais revoir. En fait, il détestait toute l'attention que Steven recevait quand il était disparu. Alors imaginez son état maintenant que le pays tout entier ne parle plus que de lui. Malheureusement, tout ça aura une importance plus tard. On va y venir, mais je vais vous parler... comprendre la psychologie que ça fait en fait. Genre pourquoi ? Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper fascinant d'avoir des explications. Mais genre, pourquoi ton petit frère disparaît et toi, ça te frustre parce que du coup, toute l'attention est sur lui. Il y a, genre, surtout si c'est médiatisé, il y a ta famille, tes proches qui vont te parler que de ça et tout. Mais genre, comment ta tristesse et ton inquiétude prend pas le dessus sur ta frustration ? Genre, enfin, j'arrive pas à comprendre la psychologie, mais c'est fou. C'est intéressant. Qu'est-ce qui devient ? Eh ben, il est jugé au tribunal et il va bénéficier d'une condamnation absolument ridicule vu tout le mal qu'il a fait, puisqu'il va être condamné à seulement 7 ans de prison. Pourquoi ? Eh ben, parce que les lois de l'époque sont étonnamment clémentes et qu'il va être jugé juste pour le kidnapping et pas pour tout ce qui a suivi. Oh, mais en passant, dinguerie. On apprend pendant l'audience que Kenneth a lui aussi eu une enfance désastreuse, remplie d'abus et qu'il allait si mal psychologiquement qu'il a tenté quand il était gamin de retirer toutes ses dents avec une pince. Tout ça n'excusant rien ce qu'il a fait, évidemment, mais ça permet de mieux comprendre le monstre qu'il est ça, aujourd'hui. Ça, c'est pareil, c'est... Désolé, à chaque fois, je coupe. Mais c'est aussi un truc qui me fascine. Genre, je n'arrive pas à comprendre. J'aimerais trop comprendre la psychologie humaine sur ça. Mais pourquoi il y a plein de mecs qui commettent des atrocités, enfin, et de meufs, hein, qui commettent des atrocités pareilles, qui ont aussi été des victimes quand ils étaient plus jeunes, genre... Pourquoi ça, enfin, c'est quoi le phénomène qui explique ça ? Parce que c'est, enfin, on entend souvent parler de ça, genre, alors qu'en vérité, il y a aussi des abuseurs, des meurtriers, enfin, plein de genres, des délinquants qui ont juste rien subi quand ils étaient jeunes et juste ils sont comme ça. Je sais pas pourquoi, genre. Mais genre, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, genre, pourquoi quand t'étais enfant, t'as subi ça et plus tard tu fais le même schéma, genre, j'arrive pas à comprendre la psychologie. Mais j'aimerais trop, c'est des trucs qui me fascinent de ouf. Faut trop que je me documente là-dessus. Il avait plus l'amour de ses parents, Imo, ça a joué un gros rôle, même si ça justifie rien. Oui, Carrie, tu parles du frère, ouais. Je crois que je connais l'affaire, mais l'explication des 7 ans de prison, c'est aussi parce qu'il n'aurait pas fait souffrir les gamins plus que ça, à part la séquestration. Bah, je sais pas, ça parlait d'abus, après je sais pas quel type, mais bon. Il devait avoir l'impression de pas exister auprès de ses parents, ça l'a détruit. Ouais, je pense, mais c'est, en vrai, c'est hyper triste. Enfin, pour que ça te ronge à ce point, et que t'arrives même pas à être heureux de retrouver ton frère, ça, en vrai, ça fait mal au cœur de fou pour les deux, hein. En parallèle, Murphy aussi est jugé et il prend une peine plus légère que Kenneth. Ce qui attriste d'ailleurs Steven, qui est persuadé que Murphy est tout autant une victime que lui et qu'il a été manipulé par Kenneth. D'ailleurs, il l'appelle toujours oncle Murphy et il n'oublie pas toutes les petites attentions qu'il a eues à son égard pendant sa captivité. Pendant ce temps-là, la famille va de plateau télé en plateau télé pour raconter leur histoire et ils finissent même par passer sur Good Morning America, qui est l'une des plus grosses émissions américaines de l'époque. Sauf que derrière cette célébrité soudaine, vous savez très bien ce qui se passe et ça ne va pas échapper à la règle. Il y a un retour à la réalité qui est extrêmement dur à gérer pour la victime particulièrement. En fait, Steven, il sait pas du tout comment se réadapter à la vie normale. Ça fait des années qu'il a été élevé par un taré sans recevoir la moindre éducation. Mais c'est ça, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est tellement devenu ta normalité. Comment tu t'adaptes à la vraie vie, enfin la vraie vie normale en fait. Regarde la chaîne de Sonia LWU, elle explique trop bien tous ces questionnements psychologiques. Ok, je note le nom, j'irai voir. Et boire, se droguer, sortir n'importe Merci. Quand. Mais Steven, lui, il comprend pas pourquoi on lui interdit toutes ces choses auxquelles il a accès depuis maintenant plusieurs années. Il doit avoir full addiction aussi. Et pour rien arranger à la situation, ses parents refusent de se faire aider pour traverser au mieux cette épreuve. Pour eux, il n'y a pas besoin d'aide de psychologue pour gérer ça. Voilà, et Steven, il a juste besoin de l'amour d'une famille aimante et ça ira. C'est aller avec tous leurs autres enfants et Steven ne fera pas exception à la règle. C'est la mentalité de l'époque, on sous-estime les problèmes psychologiques et on sous-estime une aide extérieure à quel point elle peut faire du bien et débloquer ce genre de situation, ou du moins aider.
Et en plus de ça, ils vont pas se contenter de refuser une aide psychologique extérieure, ils vont aussi interdire à Steven de s'exprimer sur ce qu'il a vécu. Comme si c'était trop dur pour eux d'accepter la réalité, quoi. Ils sont un peu dans le déni, ils veulent faire comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé. Résultat, bah, ses parents lui posent jamais de questions, il a pas le droit de leur parler de ses traumatismes, et il y a que les journalistes qui semblent s'intéresser à lui, à ce qu'il a vécu, sauf que des journalistes, ça remplace pas des parents. Et donc tout ça va inciter Steven à faire de plus en plus de conneries et à s'enfoncer de plus en plus dans des addictions. La situation est mais tellement critique. Mais les parents, mais ils savent tellement pas gérer la situation. Attendez, je suis ultra choquée là. Comment ça, tu récupères ton gosse qui a été kidnappé, séquestré pendant des années, tu lui interdis d'avoir une aide extérieure, une aide professionnelle, et tu lui interdis de te parler de l'histoire et de se confier. Le mec va vivre avec ses traumas toute sa vie, faut pas s'étonner s'il devient complètement zinzin après, hein. Va finir par le mettre à la rue parce que Steven a un problème avec l'alcool et il peut pas s'empêcher de boire. Et oui, il a trop l'addiction. Du jour au lendemain, seul pour gérer sa vie d'adulte. Alors il va tenter de s'inscrire à l'université, sauf qu'il n'arrive pas à rester concentré en cours et que donc il va vite se rabattre sur des petits boulots. Il finit par garder des parkings la nuit et par bosser dans un abattoir la journée. Et quand sa paye tombe, une grande partie finit malheureusement dans l'alcool. Alors évidemment, s'il boit autant, c'est non seulement parce qu'il est quand même traumatisé de ses années de captivité, mais aussi parce qu'il a du mal à gérer toute cette attention que les médias lui portent. Et un soir donc, alors qu'il a des idées noires, il finit par prendre du recul sur sa vie et il a un déclic. Il sait au fond de lui que les journalistes disparaîtront jamais et qu'il va devoir apprendre à vivre avec. Alors plutôt que de les subir, il va essayer d'en faire une force. Et si cette exposition médiatique lui permettait de sauver la vie d'autres enfants? Du jour au lendemain, Steven change complètement de vision sur tout ça. Il se dit que plus il racontera son histoire, plus il sensibilisera les US aux risques sur les enlèvements et à comment protéger les enfants. Alors ça y est, il n'y a plus une seule occasion de donner une interview. Il se retrouve même à donner des conférences dans les écoles de la région pour sensibiliser les enfants, les profs et aussi les parents d'élèves. Et ce simple changement de perspective là, en fait, ça va changer toute sa vie. Il commence à renoncer à l'alcool et aux drogues et en 1985, il rencontre Jody qui va devenir la femme de sa vie. Ensemble, ils auront deux enfants, et autant vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, Steven ne les quittera jamais des yeux. Je suis choc-var, enfin c'est nul, mais on dirait trop mon père. Quand il était jeune, il avait la même tête. Ils auront deux enfants, et autant vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, Steven ne les quittera jamais des yeux. Et maintenant qu'il est père de famille, Steven il comprend que c'est des responsabilités en plus, et tout ce qu'il veut c'est assurer un max pour ses enfants. Il trouve donc un job dans une pizzeria, et cette fois il s'y tient. Il en a marre de changer de taf tous les deux mois, alors il se donne à fond, et ça marche. C'est bien, il sait être un bon père. Lui, il est ponctuel, il travaille dur, bref, c'est un employé exemplaire. Et à côté de ça, il va y aller encore plus fort dans ses efforts de sensibilisation sur tous ces sujets autour des enfants, puisqu'il va carrément militer pour faire pression sur le Sénat américain. Et devinez quoi, ça marche. La Californie, grâce à la médiatisation de l'histoire de Steven et à son combat pour éveiller les politiciens, va adopter des lois bien plus dures sur tout ça. Grâce à ça donc, Steven se rend compte que son combat, il a raison de le mener et que ça peut avoir un impact vraiment au-delà de ses espérances. Et pour frapper encore plus fort, il décide d'adapter son histoire en livre et en mini-série. Ça s'appelle I Know My Name is Steven en référence à sa phrase mythique le soir où il a sauvé Timothy. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, puisque Steven joue dans la série, il incarne non pas lui-même l'enfant qui s'est kidnappé, mais il incarne le flic qui le sauve. Et c'est un carton, ça sort en mai 1989 et ils auront 4 nominations aux Emmys et une nomination au Golden Globe. Banger. De quoi répondre encore plus son message à travers le pays, soutenir les familles affectées et aussi de quoi gagner de l'argent. Et oui, il en faut. Steven n'a jamais trop eu l'occasion de se faire plaisir et donc cette fois il n'hésite pas, ni une ni deux, il achète une moto flambant neuve. Malheureusement, c'est reparti pour les mauvaises nouvelles. Et oui, déjà. Le 16 septembre 1989, sa vie va encore basculer. Steven finit sa journée de travail et doit rentrer chez lui, mais il y a une grosse tempête, une pluie torrentielle et donc une visibilité réduite sur la route. L'enfer pour n'importe quel motard. Et pour rien arranger, 3 jours plus tôt, quelqu'un lui a volé son casque. Le boss de la pizzeria s'inquiète aussi en le voyant sur le départ et lui propose de prendre le pick-up de l'entreprise. Ça lui permettrait de rentrer au sec chez lui et surtout de pas prendre de risques, mais Steven refuse parce qu'il a trop peur d'entacher la réputation de la pizzeria si jamais il a un accident avec le pick-up. Donc Steven prend son courage à deux mains, met le contact de sa moto et emprunte le trajet pour rentrer chez lui. Sauf qu'en arrivant à une intersection, une voiture s'insère brusquement devant lui et Steven n'a pas le temps de freiner. Il percute la voiture de plein fouet, s'écrase sur le bitume et hurle de douleur avant de perdre conscience. Le conducteur de la voiture, lui, prend la fuite alors même que Steven gît au sol. Un autre automobiliste finit par appeler les secours, qui arrive quelques minutes plus tard, mais malheureusement c'est trop tard, Steven s'est fracturé le crâne et il décède sur la route de l'hôpital. Sans casque, il avait aucune chance de s'en sortir. À l'annonce de sa mort, c'est tout un pays qui est en deuil. Lui qui a ému toute l'Amérique avec son héroïsme se retrouve à disparaître de la façon la plus tragique possible à seulement 24 ans. 500 personnes se rendent aux funérailles de Steven pour lui rendre un dernier hommage et parmi elles, on retrouve Timothy White qui va faire partie même des gens qui portent le cercueil. Il a maintenant 14 ans et il s'est porté volontaire pour honorer l'homme qui lui a sauvé la vie. La femme de Steven se console, elle, en se disant que ça y est, plus personne ne pourra plus jamais lui faire de mal là où il est maintenant. Oh,
J'ai le cœur en miettes, je m'attendais pas à ça. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que malgré la mort de Steven, le nom des Steiner refait surface en 1999. Son frère, là. Cette fois, c'est au tour de Carrie, son grand frère, de faire la une des journaux. Après la mort de son frère, ses pensées noires ont pas disparu, c'est même tout l'inverse. Ça fait des années qu'il va profondément mal, au point où la nuit, il rêve parfois de mettre le feu sur son lieu de travail, voire même de tuer tous ses collègues. Et il a beau parler de ça et demander de l'aide psychologique, personne ne semble vouloir l'aider. Carrie décide donc de fuir la ville et de s'isoler loin de tout. Comme Kenneth l'avait fait quelques années avant lui, il décide d'aller s'installer dans le parc de Yosemite, au fond de la forêt. Sur place, il trouve rapidement un job au Cedar Lodge, un autre hôtel du parc. Dans ces montagnes, Carrie se sent un peu mieux. Il attire pas trop l'attention, ses collègues le trouvent sympa, et les visiteurs, eux, ont pas grand chose à dire à son sujet, il fait son taf, quoi. Mais pour autant, parfois, il y a des gens qui le trouvent un peu étrange, sans pour autant savoir réellement expliquer pourquoi. Comme s'ils avaient ressenti toute la haine qui continue de porter en lui. Et cette haine, cette colère, c'est finalement en plein hiver qu'elle va se déchaîner. À cette période de l'année, on trouve pas beaucoup de touristes à Yosemite, mais les plus téméraires entre eux viennent quand même ici pour vivre une petite aventure. Parmi eux, on retrouve un petit groupe de touristes qui viennent passer une nuit au Cedar Lodge, Carol Soon et sa fille Juliana, et Silvina Peloso, une étudiante argentine et amie de Juliana. Elles partagent toutes les trois la même chambre et s'apprêtent à regarder un film quand elles entendent quelqu'un toquer à leur porte. Elle lui ouvre et elle tombe sur Carrie, l'homme à tout faire de l'hôtel. Il rentre donc dans la pièce, dévisage les trois femmes, puis file dans la salle de bain où il fait semblant d'inspecter le lavabo. Et alors que Carol et sa fille reprennent leur discussion en attendant que Carrie finisse son boulot, il ressort de là armé d'un pistolet. Il les force ensuite à monter dans la voiture avant de disparaître avec elle au cœur de la montagne. Le lendemain, l'alerte est lancée par la famille de Soon qui s'inquiète de plus avoir de nouvelles de leur fille. Sauf qu'au Cedar, personne n'a rien vu d'inhabituel ce soir-là. Carrie finit par être interrogée, comme tous ceux qui bossent au Cedar Lodge, sauf qu'il est tellement calme face à l'interrogatoire qu'il est rapidement éloigné de la liste des suspects. Un mois plus tard, les policiers retrouvent la voiture des trois femmes à une centaine de kilomètres de l'hôtel. Et dans le coffre, ils retrouvent les corps calcinés de Silvina et Carol. Celui de Juliana n'est pas là, et alors que la police locale commence à ébruiter l'affaire, ils reçoivent un indice extrêmement utile, une carte manuscrite qui indique la position du troisième corps. On peut notamment y lire « On s'est bien amusé avec celle-là ». Les policiers foncent donc au lieu indiqué et ils retrouvent bel et bien le corps de Juliana tué à coups de couteau. Deux individus avec un lourd casier judiciaire et qui rôdaient dans le secteur sont arrêtés dans la foulée, mais c'est une fausse piste. Et Carrie, lui, est toujours pas dans le viseur de la police. Il continue de vivre et de travailler sur place, sans jamais attirer les moindres soupçons. Aucun de ses collègues ne peut s'imaginer qu'il est l'auteur de cet affreux triple meurtre. Quelques mois plus tard, c'est une nouvelle femme, Joy Armstrong, qui disparaît sans donner de nouvelles à sa famille. Faudra quelques jours avant que les enquêteurs tombent sur son corps, abandonné le long d'une rivière, et tué, elle aussi, à coups de couteau. Sauf que cette fois, la police tient enfin un indice. Ce témoin aurait vu un van bleu devant la cabine de Joy, juste avant sa disparition. Et rapidement, les enquêteurs ils identifient ce van bleu comme étant celui de Carrie Steiner. Un enquêteur du FBI le retrouve à son travail et il cherche en fait à l'auditionner en tant que témoin potentiel, pas en tant que suspect. Sauf qu'en le voyant, Carrie lève les mains comme pour se rendre. L'agent trouve ça super bizarre évidemment, mais met ça sur le dos du stress. Des fois, quand ils arrêtent des gens, les gens stressent tellement qu'ils ont une réaction très chelou. Sauf qu'en arrivant au commissariat, Carrie avoue tout presque immédiatement. Et avant même que le policier réalise ce qui se passe, Carrie avoue également le meurtre des trois autres femmes du parc. Alors c'est un choc et en même temps un jour de chance pour l'officier qui s'attendait pas à des révélations aussi brutales, mais c'est surtout un choc pour toute la région. Des années après la mort de son frère, Carrie vient donc de salir le nom que Steven a fait briller tout au long de sa vie. Pendant son procès, Carrie il dit qu'il aimerait revenir en arrière, mais que malheureusement c'est impossible. Il aimerait aussi pouvoir dire au juge pourquoi il a fait tout ça, sauf qu'il n'en sait rien. Et à aucun moment il va parler de son frère et sur l'impact que son histoire aurait pu avoir sur lui. Pour ses 4 meurtres, il est condamné à mort par le tribunal, sauf qu'aujourd'hui encore, il est toujours en prison. Et justement, c'est plus tard, en prison, qu'un journaliste arrivera enfin à le faire parler. Carrie lui avouera qu'il avait déjà des idées sombres depuis tout petit, bien avant l'enlèvement de son frère, et on saura jamais vraiment à quel point ce qui est arrivé à son frère aura eu un impact sur lui et l'aura poussé ou non à commettre ses meurtres. Quoi qu'il en soit, cette affaire va motiver les habitants de Merced à rendre hommage à Steven pour laver son honneur. Ils vont donc militer pour que le plus gros parc de la ville soit renommé en Steiner Park. Malheureusement, ça donnera rien, la mairie refuse puisqu'elle a peur que ce nom soit associé à Carrie plutôt qu'à Steven. Et puis au début des années 2000, c'est Kenneth qui va refaire parler de lui. Son aide à domicile vient de prévenir la police parce qu'il lui aurait proposé un peu d'argent en échange de lui trouver un petit garçon. Comme un air de déjà vu. Mais c'est rassurez-vous, abusé. L'histoire ne va pas se répéter puisque la dame va immédiatement prévenir la police, qui vont lui proposer de porter un micro caché lors de sa prochaine rencontre avec lui et de faire en sorte qu'il redise son plan à l'oral. Kenneth va réitérer sa demande, cette fois sous l'oreille d'une demi-douzaine de policiers, qui procède immédiatement à son arrestation et qui le menotte dans les minutes qui suivent. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que les règles avaient été durcies grâce au travail de Steven? Et ben ça va vraiment payer, y compris pour son propre ravisseur qui du coup là se fait prendre la main dans le sac. Cette fois Kenneth est condamné à 25 ans de prison ferme sans possibilité de faire appel. Il finira sa vie derrière les barreaux.
Alors, on arrive presque à la fin de l'histoire, mais il faut quand même que je vous parle une dernière fois de Timothy. Depuis toutes ces années, il a grandi, bien grandi, et il va reprendre le flambeau de Steven. Il va lui aussi donner des conférences pour sensibiliser les familles sur les risques d'enlèvement, et il va même s'engager en tant que shérif à Los Angeles. Pour lui, c'est un peu comme une façon de payer sa dette envers Steven en sauvant des vies à son tour. Et c'est magnifique de voir que ces deux enfants qui ont vécu une véritable épreuve ont quand même tout fait derrière pour essayer de faire le bien autour d'eux. Malheureusement, cette histoire finit mal pour tout le monde et Timothy n'échappe pas à la règle. Alors qu'il s'épanouit dans son rôle de shérif, qu'il a fondé une famille, que tout le monde l'apprécie, il décède malheureusement d'une embolie pulmonaire à l'âge de 35 ans. Oui, encore une mort tragique. C'est comme ça que finit cette histoire. C'est la déprime, on va pas se mentir, mais ce qu'il faut retenir, c'est quand même le positif. En 2010, à Merced, donc la ville natale de Steven, le fameux parc est entièrement rénové et en son centre est placée une statue à l'effigie de Steven et Timothy. On y voit le jeune Steven donner la main à Timothy, une scène qui sera désormais gravée à jamais. Une belle manière de s'assurer que les générations futures connaissent leur histoire et découvrent leur courage. C'est la fin de cette histoire, et comme vous êtes très nombreux à la regarder, j'en profite pour vous rappeler qu'en France, il y a un numéro, hein, le 119, qui est le service d'accueil téléphonique national pour l'enfance en danger. Et donc, c'est le numéro à appeler pour signaler un enfant disparu ou maltraité. C'est le numéro à appeler si vous-même, vous êtes un enfant et que vous pensez être victime de maltraitance. Voilà, je le rappelle au cas où, je sais que j'ai une grosse visibilité avec ces vidéos-là. Dans le pire des cas, vous l'avez en tête. Dans le meilleur des cas, ça servira, j'espère. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, et à très vite pour d'autres aventures. Très bien qu'il ait fait un petit rappel à la... Ah, j'ai lancé une autre vidéo. Très bien qu'il ait fait un petit rappel comme ça à la fin de sa vidéo. Ouah, les gars, l'histoire de Zinzin. En vrai, on aurait dû s'y attendre parce qu'en plus, littéralement, au début, il parle de destin tragique. Donc, dans la logique des choses, ça se terminait comme ça. Mais c'est ultra triste, je suis choquée. Et j'avais jamais entendu cette histoire. Genre, what the fuck. Et j'ai une théorie, moi, sur pourquoi, du coup, Carrie, le frère de Steven, a commis ces actes. Pour moi, c'était... Enfin, c'est bizarre, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est en mode pour se mettre dans la lumière et faire parler de lui. Juste, il savait pas comment faire parler de lui, en fait. Donc, il a fait ses trucs. Je sais pas, il devait avoir plein de trucs dans sa tête qui lui passaient. Enfin, je sais pas, je suis pas psy, hein, mais je me dis que ça doit être ça. Enfin, en fait, le mec, il a tellement mal vécu la médiatisation de son petit frère. Enfin, le fait que ça prenait vraiment toute la lumière. Je me dis, il a dû vouloir, à sa manière, l'avoir sur lui, mais c'est genre le pire truc. Enfin, il a fait les pires choix, le gars. C'est horrible. Terrible. La vidéo de fou, je l'avais déjà vue, mais quand même... Ah, tu l'avais déjà vue ? Si t'aimes bien les vidéos True Crime comme ça, il y a Max Keyes qui est très bien, je ne sais pas si tu connais. Je connais de nom, parce que j'avais entendu parler de lui avec une histoire, mais je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Mais faudrait que j'aille voir, ouais. Là, je me suis dit, j'y ai pensé pendant la vidéo de Squeezie, je me suis dit pourquoi pas regarder une vidéo, mais faudrait que je vois si ça peut être sympa. Oh putain, attendez, mais les vidéos sont bad longues, donc je sais pas. Je me suis dit pourquoi pas regarder une vidéo de Alt236 parce qu'il y a quand même pas mal de gens, je vais vous montrer, quand même pas mal de gens qui m'ont conseillé ces vidéos à React. J'ai jamais regardé, même moi seule. Mais elles sont quand même assez longues là, 3h05, 1h36. Moi je suis fatiguée, en plus j'ai du taf demain. Perso, je pense pas vu que ces premiers meurtres étaient anonymes. Ah oui, c'est vrai, putain, j'avais oublié ce détail. Bah, c'est vrai qu'en fait, du coup, ma théorie elle tombe à l'eau parce qu'en fait, s'il avait voulu se mettre dans la lumière, il se serait rendu tout de suite. Mais ouais, tous les plot twists de fou. Mais l'histoire qui se terminait jamais, genre. L'impossible vidéo club, pourquoi pas. C'est pas très long. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder d'autre, je regarde. Oh, c'est quand même des grandes vidéos, en vrai. Hein. Je pense que ça peut être bien, ça, de se faire des big reacts tous les soirs dessus. Enfin, tous les soirs, pardon. Sur une big soirée, genre. Après, sinon, il y a Combo aussi, qu'on m'a conseillé. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai l'impression que c'était LOL? Vidéo. Le plus grand cyberbraquage du jeu vidéo, ça peut être pas mal de regarder ça. Il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd Rogers. Le dernier sommet du speedrun céleste, la quête pour un jeu infini. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Ah, ça peut-être! On me l'a grave conseillé celle-là. Est-ce que ça vous chauffe? Le jeu vidéo qui brise ses joueurs. Je sais pas de quelle vidéo, enfin de quel jeu, si c'est Fear and Hunger, mais je sais pas ce que c'est le jeu, mais en vrai pourquoi pas. On l'a vraiment énormément conseillé, en plus c'est 21 minutes, je me disais ça peut être pas mal. Je suis chaud qu'on se réacte ça. Mais il y a vraiment pas mal de vidéos là. Le tournoi le plus désastreux de l'e-sport, l'IA chaotique qui brutalise les joueurs dessous, ok. Ça peut être cool. Combo, j'ai du mal avec sa voix, mais faudrait que je m'y fasse. Ces vidéos ont l'air cool. Ouais, la même. J'avais essayé de regarder un jour et j'ai eu du mal. Mais en vrai, on m'a tellement dit que c'était Kali. En vrai, aux F de sa voix. C'est juste, je pense que ça fait bizarre parce que. On est habitué à Ego et tout. Enfin, je parle pour moi.
En vrai, je suis chaud. On se lance ça. Ça nous fait une petite vidéo découverte. C'est quoi la notif YouTube que j'ai? Un nouvel abonné. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, les gars. Vraiment, ça me ferait trop plaisir si vous veniez vous abonner. Mais allez, let's go. On va se lancer ça en vrai. Comme ça, on va pouvoir découvrir Combo ce soir. À Mais votre pourquoi là, j'ai la avis, pub? Ok. La vidéo de Fear and Hunger est folle, dit Paul. On me l'a grave conseillé. Je crois que je suis trop habituée à la voix de Feldup. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est juste qu'on s'habitue aux voix des créateurs qu'on regarde, mais. Putain, mais les gars, il a pas beaucoup de likes. Les amis, allez liker les vidéos que vous regardez. 1,5 million de vues, 92 000 j'aime. Franchement, c'est important de liker les vidéos. Je pense que c'est ce qui fait le plus plaisir aux créateurs de contenu. C'est même pas forcément d'avoir autant de vues, c'est d'avoir des likes. Et des abonnés, évidemment. Merci en tout cas pour ceux qui sont abonnés. Rien à voir, mais du coup, tu penses jouer au Sims quand? Alors, je ne sais pas. Bon, ça va venir. Là, c'est juste en gros ce soir, je sais pas, j'ai eu moins envie de jouer aux Sims. Je me suis dit, je lance un stream Sims, mais genre pas par envie, juste parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et en fait, ça me fait chier d'y jouer quand j'ai pas trop envie. Je pense que les Sims, on se le fera de toute façon sur la semaine quand je reviens. Parce que du coup, je le répète peut-être pour ceux qui savent pas. Mais demain soir, je stream et ensuite, je vais pas streamer jusqu'à mardi pro. Mardi pro, ce sera un stream co-op avec Paolnareff, qui est mon modo, mais qui est mon meilleur pote. On va faire un jeu d'horreur, donc là, ça va être trop bien, venez voir, parce qu'on est des flippettes tous les deux. Ensuite, moi, je reviens. Attendez, je rentre chez moi quand? Le dimanche, c'est le 26 ou le 27 octobre? Je rentre chez moi le 27 octobre. Mais du coup, je streamerai pas parce que je rentre le soir. Mais du coup, je pense qu'il y aura un stream le lundi 28 sur The Last of Us. Le mardi 29. Je pense qu'il y aura un stream sur Life is Strange Double Exposure qui sera sorti. Il me semble qu'il sort le 29. On a déjà accès normalement aux deux premiers chapitres, mais du coup, je ne les fais pas parce que j'ai vraiment envie d'enchaîner. Et du coup, j'imagine que dans la semaine qui suit, donc ce sera le 30, 31 ou le 1er novembre, je ne sais pas, je ferai sûrement un stream Sims. C'est juste, je ne pensais pas en vrai que des gens aimaient bien les streams sur mes streams sur les Sims. Perso, avant, je regardais des vidéos sur YouTube avec ma petite sœur. On n'avait pas de compte connecté sur la télé. Imo, c'est le cas de beaucoup de personnes qui regardent sans pouvoir liker. Ouais, de ouf. En vrai, je dis ça, mais je suis pareil. Il y a plein de genres de vidéos comme ça que je me lance. En mode le soir, vous voyez des vidéos un peu storytelling et tout. Et en fait, je les mets sur la télé. Du coup, je pense pas à liker, même en étant connecté. Salut Mataki. Je note, j'adore les jeux d'horreur. Ouais, bah ce sera sur Poppy Playtime, d'ailleurs, si vous connaissez. Et si vous connaissez pas, bah, je pense que ça va vous plaire parce que c'est un petit jeu qui a l'air de faire un petit peu flipper quand même. Il a l'air d'avoir pas mal de screamers. Vous voyez, on se fait courser par des trucs et tout. Enfin, ça va être trop bien. Banger, j'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai trop trop hâte. De toute façon, je vous posterai un programme, comme d'hab. Enfin, un programme. En vrai, je pense pas faire de montage de programme pour la semaine pro, vu qu'il y aura genre un stream. Mais juste, je vous l'annoncerai comme d'hab, quoi. Bref. Oh, merci beaucoup, Nostidius. Merci, mais tu me régales. Tu me régales de subs, là. C'est incroyable. Merci énormément, ça fait trop plaisir. 48 subs sur 50, c'est une dinguerie. Je suis trop choquée. Cet utilisateur a déjà offert 22 abonnements sur cette chaîne. Le mec ne s'arrête pas, le mec ne s'arrête pas. Merci. En fait, c'est là tu donnes beaucoup parce que du coup, moi j'ai fait sub goal de 30 pour 30 subs stream horreur, 40 subs, j'avais pas d'idée, 50 subs, j'ai pas d'idée non plus là. Ça commence à me mettre la pression là. Retour 50, les gars, si vous avez un petit abonnement Prime, sachez que c'est inclus avec Amazon, vous pouvez vous abonner sans payer plus. Après, si vous avez un petit peu d'argent à donner pour soutenir la chaîne, bah écoutez, ça ferait plaisir, hein, je vous cache pas. Que 50 subs, ça me paraît, c'est vraiment énorme, c'est énormissime. Vraiment, merci les gars, ça fait trop plaisir. Mais du coup, pour la petite récompense ce soir, sachez qu'on va se lancer le petit react d'Ego, pardon, de Combo, oh non. Combo, et abonnez-vous à sa chaîne, j'espère que ça va vous plaire. Il y a vraiment pas mal de vidéos, donc là ça va nous faire des bons petits réacts, on va se régaler. Ça se passe comment avec Amazon? Je vais voir si je peux gratter le compte de ma sœur. Bah, en gros, il faut avoir Amazon Prime, l'abonnement, et il faut que tu aies lié ton compte Twitch à ton compte Amazon, c'est dans les paramètres Twitch. Et en fait, avec ça, si tu cliques sur mon profil, genre s'abonner, tu vas pouvoir cliquer sur utiliser l'abonnement Prime. Et en gros, c'est juste ça te. Tous les mois, tu as un sub offert, entre guillemets, que tu peux mettre sur la chaîne de quelqu'un. 22 carrément, mais t'as 40 subs, j'ai vraiment fait la moitié. Ouais, non, mais t'as vraiment fait la moitié. Hein. C'est pour ça que c'est pas du jeu, ça fait trop plaisir. Mais la moitié des gens, ils sont même pas sur mes streams. Mais c'est pas grave, moi, ça me récompense, je suis trop contente. Je suis trop, trop, trop contente. C'est trop gentil, merci beaucoup. Ouais, c'est trop cool le petit système d'abonnement Prime. Bon, c'est parti, les amis.
Comme d'hab, reprenez à boire, reprenez à manger si vous avez fini ce que vous avez mangé pendant la vidéo de Squeezie ou si vous avez terminé votre boisson, faut en refaire pour regarder la vidéo de combo. Bon, 21 minutes, c'est assez court. Le jeu vidéo qui brise ses joueurs. À votre avis, c'est quoi ce bruit? What the fuck, c'est du caoutchouc? Bon, ok, on y reviendra plus tard. Fear and Hunger est un jeu vidéo particulier. J'ai pas vraiment d'autres mots pour le décrire. C'est pas un mauvais jeu, hein. Loin de là, c'est un jeu fabriqué par une seule personne qui a fait naître des chaînes YouTube, qui a fait naître des chaînes de podcasts dédiées, qui vous connaissez ? A 95% d'évaluations extrêmement positives sur Steam. Wow. Sans même avoir lancé le jeu, vous comprenez qu'il a probablement ce petit truc en plus. Donc oui, vous devriez y jouer, la vidéo peut attendre, mais il y a de très grandes chances que vous ne reveniez sur cette vidéo que non. Pour... On regarde la vidéo et on jouera après si ça nous plaît. C'est mon programme. Hello Mary, comment tout ça va? Parce qu'il y a de très grandes chances que votre première partie se passe à peu près comme la mienne. C'est-à-dire choisir un perso, apparaître dans la cour du donjon. C'est Timothée Chalamet, sans tuto, hein. Ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé que le jeu va vous proposer de frapper, ce qui va faire suffisamment de bruit pour attirer deux dogos qui vont vous bouffer. Mais qui choisit de tabasser le cheval? Si vous avez choisi ça, si vous avez joué, si vous choisissez ça, vous avez un sérieux problème, là. Je connais deux noms et deux, trois images du jeu. Vous avez un sérieux problème, faut faire les autres trucs, pourquoi le frapper? Il est déjà mort. Et oh, il y a une vibe SNK. Retour à l'écran principal. Est-ce que vous connaissez le concept d'armure en scénarium? En fait, oui, vous le connaissez forcément. C'est ce truc qui dit que quand vous allez voir un film et que George Clooney est en danger de mort dans les 5 premières minutes, vous savez très bien qu'il n'est pas réellement en danger de mort et qu'il va obligatoirement s'en sortir. Déjà parce que c'est le gars dont la tête est en 4x4 sur l'affiche du film, mais surtout parce qu'à 14€ la place de ciné, le film ne peut pas durer 5 minutes. Et ce concept, on le retrouve aussi dans la plupart des jeux vidéo. Parce qu'après avoir acheté un jeu, on n'a pas envie que notre première interaction ce soit une mort violente suivie d'un retour brutal à l'écran de démarrage, mais Fear and Hunger, visiblement, n'en a rien à faire de l'armure en scénarium. Et apparemment va falloir s'y habituer parce que mourir sur un canidé en seulement 12 secondes alors qu'on a lancé le jeu dans sa difficulté la moins élevée, c'est quand même plutôt embarrassant. Cela dit, je vous l'accorde, c'était peut-être un peu court. Ma seconde partie était sans doute un peu plus parlante. La première étape, c'est de choisir un des quatre personnages. Il y a le mercenaire, il y a la chevaleresse, trop Timothée Chalamet. Et il y a le voyageur. Chacun d'eux a des stats, des capacités différentes, mais tous souhaitent rentrer dans le donjon pour la même raison. Retrouver le chevalier le garde. Soit pour le voler, soit pour le sauver, soit pour le tuer, soit... C'est compliqué, mais c'est la seule info qui nous est donnée. C'est visiblement le but du jeu. Faut juste trouver un gars et s'échapper du donjon. Ça peut pas être si compliqué que ça. On y reviendra. Quel que soit le personnage choisi, la partie débute toujours de la même façon. Seul, dans la cour du donjon de Fear and Hunger, sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé qui attire notre attention... Mais cette fois-ci, on va éviter de jouer à Pignata Cheval pour plutôt directement rentrer dans le donjon. Est-ce que c'est un jeu creepy? Il y a un jeu que j'ai fait, je me rappelle plus le titre. Flesh Blood. Ah, c'est Flesh Blood and Concrete. C'était un petit jeu d'horreur indé que j'avais vu passer sur Twitter. Et j'y avais joué. En vrai, c'était cool, mais c'est spécial. Mais juste, ça ressemblait à ça. Voilà. Mais les petits jeux, en vrai, comme ça, d'horreur, c'est... En vrai, c'est cool. Genre, c'est spécial, mais c'est trop bien. C'est souvent psychologique. Après, là, je sais pas, du coup, si c'est psychologique, mais j'imagine, parce que le jeu vidéo qui brise ses joueurs doit y avoir un sale effet mental dedans. Bon, l'atmosphère est brillante. Brillante pour créer de l'anxiété et du désespoir. C'est exactement la direction artistique que j'attends à mon enterrement. Côté interface, on a une barre de vie, classique, mais aussi une barre de faim et de peur, d'où le nom du jeu. Et ces deux barres, elles se drainent continuellement, donc de façon tout à fait logique, pour éviter de mourir de faim, il faut se nourrir. Pour éviter de devenir fou, il faut consommer de l'alcool ou de l'opium. Et je vous l'accorde, c'est probablement la pire façon de résister à la folie dans la vraie vie, mais dans un lieu où la créature la moins effrayante, c'est ce géant qui est en train de me foncer dessus, ça se discute. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le semer, le combat s'est lancé, et... Pause, il faut qu'on parle de censure. La censure, c'est mal. Dans 99% des cas, c'est mal. Ici, la censure,
c'est plutôt cool. Le garde que vous voyez actuellement n'est pas le véritable garde de Fear and Hunger. Disons qu'à la place de sa jolie petite jupe en cuir... C'est la boule dans Fort Boyard. ...se trouve normalement une troisième jambe. La version courte de l'histoire, c'est que Fear and Hunger est assez largement inspiré de Berserk, donc la gargantuesque liste de trigger warning qui accompagne ce jeu ne devrait pas être une surprise. C'est... typiquement le genre de jeu qui donne envie de contacter un thérapeute, et un des outils fréquemment utilisés, c'est la nudité. Une nudité qui n'est pas là pour rien, qui n'est pas là pour choquer gratuitement, qui est là pour créer un sentiment de malaise chez le joueur. Et entre vous et moi... Moi j'aime bien les trucs comme ça, faut que j'en fasse en stream, vous en pensez quoi? Les jeux avec une ambiance un peu glauque, etc. Je suis devenue fan, j'en ai trouvé quelques-uns, c'est dingue le taf dessus. Eh, hey, je suis chaude, tu me les partages, je veux trop faire des jeux comme ça, un peu... Enfin, vous voyez un peu l'horreur psychologique. Je sais pas du coup si ça concerne ça, mais j'imagine. J'ai fait Doki Doki il y a pas longtemps. Oh, Doki Doki, j'avais Doki Doki Literature Club, j'avais regardé un let's play dessus à l'ancienne. C'est en vrai, ça fait, c'est un peu hard, je trouve. Enfin, ça fait mal, quoi. Après le stream, je vais me faire ces vidéos, c'est bon. Mais oui, elles ont l'air trop bien. En vrai, c'est bon. Je regarde tout ce que j'ai dit. Ça fonctionne, mais pour créer du contenu autour du jeu, bah le petit mode de censure est obligatoire. Car sinon j'aurais pas pu vous montrer ce fort bien membré garde et j'aurais pas pu vous parler du système de combat de Fear and Hunger. Un système de combat basé sur la joyeuse notion de démembrement. Là où dans les RPG au tour par tour classique, vous allez être mis face à de nombreux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les vaincre, dans Fear and Hunger, vous ne serez mis que face à un ou deux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les découper. Choisir le bras armé en priorité paraît être une bonne idée, mais les jambes pourraient le mettre au sol plus vite. Viser la tête directement est aussi une option, mais du coup, faut pas beaucoup trater, plus risqué. C'est assez basique, assez facile à comprendre, mais là où ça devient rigolo, c'est que l'ennemi, bah, il va faire exactement la même chose. Ouais, m'attaquer. Notre personnage est lui aussi composé de parties du corps, et lorsqu'on perd, je sais pas, un bras, bah on le perd pour le reste de la partie. Et perdre un bras encore, ça va, on peut plus porter de bouclier ou d'arme à deux mains, mais en perdre deux, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et j'ai probablement pas besoin de vous décrire ce qui se passe lorsqu'on perd ses jambes ou ses yeux. Oh, putain. Alors, ça m'est pas arrivé sur ce combat, puisque j'ai réussi à tuer ce garde et donc pu récupérer en récompense le colossal montant de... absolument rien, en fait. Pas d'objet, d'argent ou de points d'expérience. Un bon gros, y'a rien à voir ici, mon gars, retourne plutôt explorer. Et étonnamment, côté exploration, bah ça a été plutôt paisible en vérité. Je suis tombé sur un hôtel, j'ai prié et rien ne s'est passé. Ce qui est plutôt réaliste pour le coup, et quelques pas plus tard, j'ai même fait une agréable rencontre. Ouais, le jeu a l'air un trop bien. Un personnage amical. Son nom c'est Buckman, il m'explique qu'il est tétanisé parce que le bien nommé Trortrur, le torsionnaire du donjon, le pourchasse. Il est juste en speedrun pour aller se planquer dans une chambre dans laquelle se trouve un lit, et le lit, c'est la ressource la plus précieuse de Fear and Hunger. Pas parce que dormir permet de se régénérer, mais parce que dormir permet de sauvegarder. Il y a aucun système de sauvegarde automatique dans le jeu, et interagir avec un lit, c'est le seul moyen de le faire. Sauf qu'on n'est pas dans n'importe quel jeu vidéo. C'est évidemment pas si simple que ça. À chaque fois qu'on décide de sauvegarder, il faut choisir. Choisir entre pile ou face. Ah, c'est un 50-50. Vous faites le bon choix, la sauvegarde est acceptée, vous ratez, comme moi lors de cette le partie, lit disparaît. Et bah c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oui. Oh putain! Ça fera l'affaire. What the fuck? Mais pourquoi? Voyons, voyons. Tu n'as pas besoin de tes jambes, n'est-ce pas? En tout cas, plus maintenant, c'est certain. C'est for sure. Tu n'aimes pas le tremblement de la douleur? Dans ce monde froid, il est difficile de ressentir du plaisir. Mais tu sais, la douleur et le plaisir ne sont pas si éloignés. Ok, le maso. Ce qui cause de la douleur à autrui peut apporter du plaisir à quelqu'un d'autre. Là où tu vas, tu n'as pas... Ok, coucou. Et que ça saute. Ça va? Laisse-moi retirer tes parties sales et coupables. Et que ça saute. Ah, les bruits et tout.
ça rigole pas. Et un nouveau retour à l'écran principal. Parce que j'ai essayé de sauvegarder. Ouais, voilà. Ça va très bien, merci. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai une réaction d'enfant. Je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait. Je ne mérite pas de mourir comme ça. Depuis le début de cette partie, je fais attention à ma santé, à ma barre de faim et de peur. Je prends le temps de ramasser tout ce que je trouve et d'entrer dans chaque nouvelle salle avec prudence. Et là, on m'annonce que je vais devoir recommencer à zéro parce que j'ai essayé de sauvegarder. Soit il y a une chose qui, visiblement, m'échappe et je comprends pas ce que j'ai sous les yeux, soit le jeu est terriblement injuste. Spoiler. Ouais, le jeu est terriblement injuste. Est-ce que ça m'a arrêté? Absolument pas. Et je saurais même pas vous dire pourquoi réellement. Je crois pas que ce soit la direction artistique, bien que très jolie, ni même la musique ou l'ambiance. Je crois que c'est surtout le fait que ce donjon me résiste. Comme s'il me criait au visage de ne plus revenir l'explorer, de ne plus lancer j'aime une nouvelle trop, partie. J'ai envie d'y jouer. C'est bête, mais je peux pas m'empêcher de penser que lorsqu'une chose est difficile à atteindre, honteusement surveillée et cruellement bien gardée, c'est qu'elle est forcément précieuse, non? En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'envoyer des heures et des heures dans le jeu. Et j'aurais aimé vous dire qu'avec de la détermination, j'ai pu avancer et en sortir victorieux, mais absolument pas. Le jeu m'a piétiné. La run suivante, j'ai simplement marché sur un clou rouillé et je me suis vidé de mon sang. Celle d'après, il y a juste un trou qui s'est ouvert sous mes pieds et ça m'a explosé les deux jambes. Juste après, je me suis retrouvé coincé dans un puits à merde pour l'éternité. Puis j'ai voulu retirer Excalibur de mur et finir enseveli, à nouveau rendu buste. C'est bon, du coup, je pense que ça va être le... Vu qu'on a fait le sub-goal là, on a atteint les 40, on fera peut-être ce jeu-là. Et vu qu'on est bientôt aux 50, il manque deux subs. Peut-être qu'on en fera un autre, des genres de petits jeux comme ça d'horreur et tout, ça peut être sympa je pense pour les Gaules. Parce que je croyais être une assiette en poterie au sol, je suis mort d'éboulement, de faim, de soif, de décapitation, de démembrement et de tout un tas de choses que je ne peux même pas décrire en vidéo. Vous savez combien d'heures de jeu ont été foutues en l'air dans les 9 dernières secondes de cette vidéo? Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Honnêtement, à ce stade, le jeu m'a donné mille et une raisons d'arrêter. Pourtant, j'ai toujours cru que j'aimais profondément les jeux difficiles. Sincèrement, mettez-moi sur une île déserte quelques années avec juste une paire de Dark Souls, un petit Darkest Dungeon et 6 tonnes de Doritos Sour Sweet Chili Pepper et vous ne m'entendrez pas dire une seule fois que je m'ennuie. Le tryharder. Mais là, je comprends juste pas. Si ce jeu est supposé être un jeu de rôle, visiblement je joue le rôle de la victime et c'était rigolo au début, hein. Mais se faire oblitérer ses heures de jeu sur un pile ou face, un ennemi random ou un événement aléatoire, c'est juste beaucoup trop cruel. Et très honnêtement, je vous le dis sans avoir les fesses qui claquent, oh, wow. Ouais, à ce moment-là, je n'ai plus aucune volonté de relancer une partie. J'ai pas le mental pour ça. Fear and Hunger m'a brisé. Pourtant, Fear and Hunger n'est pas un jeu difficile. Enfin, pas difficile au sens que peut l'être un Dark Souls, c'est pas mécaniquement difficile. La vérité, c'est juste que Fear and Hunger joue avec ses propres règles, un set de règles terriblement cruel, que le joueur n'a aucun autre choix que d'accepter. Une des façons que le jeu a de vous infliger sa cruauté passe par l'aléatoire. Tout est aléatoire dans le jeu. Pas uniquement la sauvegarde, hein. La disposition du donjon est aléatoire d'une partie sur l'autre, les loots, tous les loots sont aléatoires d'une partie sur l'autre. Le seul objet que j'ai l'impression de trouver fréquemment et à des endroits fixes, c'est la scie à os. Et la scie à os est une très mauvaise arme. Même le lore du jeu est révélé aléatoirement. Et quand bien même il est révélé, il le sera de la façon la plus Fear and Hunger-esque possible, c'est-à-dire à demi-mot et en mentant la moitié du temps. Vraiment, c'est un jeu qui renferme des secrets à l'intérieur de secrets qui sont eux-mêmes dans des secrets. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe tout un système de cuisine, d'artisanat ou de jardinage. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe un système de progression, tout simplement pour apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles techniques. Et je crois que tout ça, c'est pas uniquement là pour briser mentalement les joueurs. Y a aucune histoire de vendetta personnelle là-dedans. Ce qui se cache derrière ce game design contre-intuitif au possible, ce qui se cache derrière ce qui pourrait passer pour de la cruauté pure, c'est que Fear and Hunger n'a pas décidé de récompenser ses joueurs avec un chiffre qui augmente, un petit bruit satisfaisant et 3 dégâts en plus au prochain combat. Il a décidé de les récompenser avec de la connaissance, en créant des moments que j'ai scientifiquement appelé le « Oh, mais c'est pour ça en fait !» Le clou rouillé par exemple, c'est probablement le truc qui a explosé le plus de mes runs. Choper une infection gratuitement et inévitablement crever quelques minutes plus tard juste parce qu'on a marché au mauvais endroit, c'est incroyablement cruel. Sauf que si vous vous souvenez du fait que nos personnages
peuvent perdre leurs membres. Si vous vous souvenez que des Siaos sont fréquemment disséminés un peu partout à travers le donjon, et si vous vous souvenez du bruit que je vous ai fait écouter en début de vidéo, bah vous comprenez que... Oh, mais c'est pour ça en fait. Oh. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord, je vous l'accorde, c'est dégueulasse. Et sur le papier, c'est tout con. Mais le fait de s'en rendre compte par soi-même, je vous assure que l'espace d'un instant, on croit être un génie. Et c'est franchement plutôt agréable. Surtout que des moments comme ça, Fear and Hunger en fait vivre des dizaines. Parce qu'il est là, le véritable système de progression du jeu. Le jeu ne cherche pas à briser ses joueurs. Il cherche à les former. La plupart du temps via une mécanique d'apprentissage par le décès, oui, et nul besoin de préciser que c'est très peu fonctionnel IRL, mais le moment où on réalise que c'est pas le personnage qui gagne de l'expérience, mais celui qui le contrôle. Que chaque mort est en réalité une montée en niveau détourné, et que ces morts, il faut les chérir plutôt que les maudire, c'est le moment où tout s'inverse. C'est le moment où le joueur se dit qu'il peut à son tour briser Fear and Hunger. Okay. On est sur ma 29e run. Ça fait précisément 3 semaines que Fear and Hunger me ponce le crâne avec le côté vert de l'éponge tous les jours. Sauf qu'à force de me distribuer des moments de « Oh, mais c'est pour ça en fait !» bah, je commence à la comprendre un peu mieux, cette salle de torture digitale, et cette fois-ci, j'ai un plan. Un plan en 4 étapes. La première, c'est de faire des réserves. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à se soucier d'un manque de nourriture. L'idée, c'est de piller l'entièreté de la première section du donjon en évitant toute forme de combat. On fouille tous les tonneaux, tous les coffres, toutes les bibliothèques, on devrait tomber sur pas mal de nourriture, et on devrait aussi tomber sur une cage dans laquelle se trouve la petite fille. Et la petite fille se trouve être la pièce maîtresse de ma deuxième étape, obtenir la meilleure arme du jeu. Cette arme, c'est la Claymore, elle est vendue par Pocket Cat, le marchand itinérant de Fear and Hunger, qui se trouve dans les mines et qui n'accepte comme paiement que le chat mignon, non. Humains. Des enfants Troisième humains, étape, Aya. Devenir le meilleur personnage du jeu, et pour ça on va devoir faire un raid sur cet étrange village raciste, délivrer Darcy, la chevaleresse, et l'épouser. Ce qui, dit comme ça, ne doit pas être très clair, mais le mariage dans Fear and Hunger est un concept un peu particulier. En fait, en se rendant sur un cercle de prière et en montrant son amour à un autre personnage, il y a une cinématique que je peux vraiment pas décrire qui va se jouer, et le résultat sera un mariage. Mais pas un mariage dans le sens ils vécurent heureux et eurent 8 enfants, plutôt dans le sens ils vécurent dans le même corps et eurent 8 chromosomes restants. Dans Fear and Hunger, vous ne consommez pas le mariage, vous devenez le mariage. Et le mariage, il tape fort. Encore plus fort avec la meilleure arme du jeu entre les mains. Maintenant, la seule chose qui lui manque, c'est d'obtenir la meilleure armure du jeu. Et ça, c'est la 4e étape de mon plan. L'armure de pénitence. Problème, elle est aussi livrée avec des pics internes prévus pour provoquer une douleur si folle qu'elle empêche le porteur de sombrer dans la folie, et il ne faudra pas plus de 3 minutes à mon perso pour se vider de son sang une fois à l'intérieur. Solution, l'anneau de sang inerte. Un anneau qui empêche toute forme de saignement et qui, pour je ne sais quelle raison, se trouve sur ce gars-là. Et là, uniquement là, on a tout juste assez de puissance pour affronter ce donjon maudit. Pour faire face à tous les ennemis chelous que le jeu nous jette au visage et être insensible à la majorité de ses pièges. Il n'y a que comme ça que j'ai pu m'en sortir. Il n'y a que comme ça que j'ai pu pour la première fois atteindre le garde et assister à mon deuxième moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où on se dit que finalement le jeu n'est peut-être pas si cruel que ça, qu'il fallait juste avoir un plan de jeu et s'y tenir. Le moment où, muni de notre belle armure de pénitence, mariage avec les morts, on ouvre la porte de la cellule de Legarde et il est... décédé. Wow. Ok, ce qui se passe en fait, c'est que Fear and Hunger est aussi secrètement un speedrun. En réalité, lorsqu'on pose un premier pied dans le donjon, il y a un chrono qui se déclenche et 30 minutes plus tard, quoi qu'il arrive, le garde décède. Ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que tout ce que je croyais savoir jusqu'à présent, toutes ces étapes que j'ai découvertes et intégrées à ma run pour devenir plus puissant et plus résistant, bah c'est direction la corbeille. Parce que traverser l'entièreté de ce donjon en moins de 30 minutes, ça veut aussi dire pas de réserve, pas de mariage, pas de clé mort, pas d'armure de pénitence. Il n'y a aucun autre choix que de rush comme un idiot en ne prenant aucune précaution. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Putain. En boucle. Je vais même pas vous dire combien de runs ça m'a pris pour à nouveau atteindre le garde, mais cette fois-ci sans aucune précaution, c'est personnel, je vous permets pas de juger, mais pas mal de runs.
Le seul avantage, c'est qu'à ce stade, ce donjon, on le connaît beaucoup mieux. Déjà, on connaît à peu près le chemin pour atteindre le garde, on sait plus ou moins où aller et où ne pas aller, quel combat prendre et lequel absolument esquiver. Donc, en jouant de la façon la plus lâche possible et avec un peu de chance, j'ai pu une nouvelle fois atteindre le garde. Cette fois-ci, en moins de 30 minutes, et cette fois-ci, emprisonné. Il était bien vivant. Et puis de là, bah sur le papier, il n'y a plus qu'à la récupérer dans son équipe, refaire le chemin à l'envers jusqu'à la sortie, et GG well played. Sauf qu'à la toute dernière seconde, on est mis face à un choix. Et il y a plusieurs moments dans Fear and Hunger où le joueur est confronté à un choix. Souvent le choix entre la peste et le choléra, entre mourir et mourir lentement, c'est pas un jeu tendre. Mais ce choix-là, il est vraiment pas comme les autres. Au moment de s'échapper, le garde nous dit que sa mission dans le donjon n'est pas terminée et nous propose soit de l'accompagner à nouveau, soit de s'en aller. Et vous pourriez choisir de partir. À aucun moment, le jeu ne vous indique que c'est une erreur. Vous auriez même un écran de fin de jeu et les crédits qui défilent. Vous pourriez Alt F4 et le désinstaller sans jamais y toucher à nouveau en pensant en avoir fini avec ce jeu cruel. En pensant avoir battu Fear and Hunger. Mais ce serait une terrible erreur, parce qu'en acceptant d'y retourner et en accompagnant le garde un peu plus loin dans les profondeurs de ce donjon, il reste un endroit inexploré, un long couloir au bout duquel se trouve une porte, et derrière cette porte se trouve beaucoup plus. Le voilà, mon moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où tu réalises qu'il existe une gigantesque cité ancienne, peuplée de dieux, de voyages dans le temps, d'ennemis indescriptibles, de nouvelles zones, des dizaines de boss et toute une mythologie. Incroyable. Où tu réalises que le donjon de Fear and Hunger, c'est le donjon qui t'a donné des cauchemars pendant probablement des semaines, ce n'était que l'introduction. C'était ça, en fait, le tutoriel. C'est fou. J'aurais aimé vous dire que je suis tombé sur ce jeu sur une disquette dans le vieux garage de mon oncle ou aléatoirement en scrollant sur Steam, soir de solitude, mais ce serait un mensonge. Je suis tombé sur Fear and Hunger parce qu'un de mes créateurs de contenu anglophone préféré, Super iPad Wolf, en a fait une vidéo intitulée « Le jeu vidéo le plus cruel ». Et en réalité, je ne crois pas que ce soit un jeu si cruel que ça. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai. Je crois qu'en vérité, c'est un jeu plutôt respectueux. Pas respectueux de nos heures de jeu, oula, non, clairement pas, mais respectueux de notre capacité à comprendre ce qu'il nous crie au visage depuis la première minute de jeu. Ce qu'il nous crie au visage en cachant ses propres fonctionnalités, en faisant tout l'inverse de ce que l'industrie du jeu vidéo essaye de faire depuis des années, en sacrifiant des personnages que vous aviez juré de protéger et en vous faisant tout perdre, continuellement, de la façon la plus injuste qui soit et sans aucune pitié. Et ce message, c'est que Fear and Hunger n'est pas un jeu vidéo, et que si vous le voyez comme ça, vous allez être très déçu. Parce que je crois qu'il n'essaie même pas de l'être. Ce que Fear and Hunger essaie d'être, c'est pas un jeu, c'est un simulateur de donjon maudit. Évidemment que si tu sautes dans un trou, tu vas te péter les deux jambes, évidemment. Si t'es infecté jusqu'à l'os, y a pas beaucoup d'autres choix que d'amputer. Et si tu te fais attaquer par un homme lézard de 3 mètres, la meilleure solution, c'est sans doute de fuir. Bien sûr, qu'en tapant une sieste dans un donjon rempli d'ogres, t'as une chance sur deux de te faire croquer, ou que de sauter dans la fosse qui semble dégager une forte odeur fécale, c'est probablement une idée de merde. Fear and Hunger n'essaie pas d'être équilibré, n'essaie pas d'être juste, n'essaie même pas d'être agréable en vérité, et c'est parce qu'il n'essaie pas d'être un jeu vidéo. Il essaie d'être vrai, cruellement vrai, et ça... J'adore ça. Comment ça s'appelle ce genre de jeu? Comment ça s'appelle ce genre de jeu? Les jeux qui ne sont pas des jeux mais qui sont ennuyeux, la réalité et tout, un peu cruel et tout. Comment ça s'appelle? C'est un nom? Je sais pas si c'est un nom, mais faudrait que je cherche. Putain, il y a tellement de commentaires, mais du coup, de commentaires de gens qui sont en mode putain, mais enfin quelqu'un qui parle de ça. C'est fini, j'ai cru que c'était l'intro de la vidéo. Ouais, non, c'était une vidéo courte. 21 minutes. Mais le jeu a l'air fou. Le jeu a l'air trop bien. Banger. Banger. Attendez, je regarde un petit truc. Mais trop bien. Dommage, on voit pas l'histoire de la cité, etc. à la suite du jeu. Mais je pense que c'est aussi juste pour nous laisser une partie de découverte. Moi, je trouve ça bien. Autant j'adore les vidéos qui racontent vraiment toute l'histoire d'un jeu, mais j'aime bien aussi les vidéos qui t'incitent à toi y jouer si ça te plaît.
trouve ça cool. En vrai, pourquoi pas se le faire en stream un jour, hein? Si c'est le genre de truc qui peut vous plaire, à tester. Comme ça, moi j'y joue, je vois si j'aime bien. Si j'aime bien, on le fait. Après, si c'est pas mon truc, ben, on aura à tester. Ouais, voilà, comme ça on n'est pas spoilé, c'est ça qui est bien. Les gars, j'ai une idée, bon. C'est pas un truc de fou, mais en gros, j'ai un pote qui stream là. Et j'ai envie de le raid. Mais il n'y a pas grand monde, hein. Je sais qu'on n'est pas beaucoup et tout. Donc c'est pas le raid ultime qui est waouh, on va l'émerveiller. Mais juste, je me dis, ça peut être sympa, ça me fait tester en plus la fonctionnalité raid. Ce sera un raid de, il y aura 5 personnes, mais c'est pas grave, je sais même pas si c'est possible. Si c'est possible, je le fais, si c'est pas possible, je le fais pas. Mais genre, si je peux lancer le raid et genre vous le suivez, enfin vous vous abonnez à sa chaîne et après vous mettez un petit message et tout. Genre en mode salut, on vient de la chaîne de Stéphie, un truc comme ça. Enfin, genre, je me dis, ça peut être cool, ça peut lui faire plaisir. Mais c'est comme vous voulez. Même s'il y a une ou deux personnes qui suivent le move, en vrai, ça se prend. Je vais voir si je peux faire ça. Mais attendez, mais en fait, comment ça marche un raid? Parce que si je lance un raid, ça cut mon stream instant, on est d'accord? Je sais pas vraiment si ça cut mon stream instant, mais en vrai, au pire, je vous fais des bisous et puis nous, on se revoit demain soir. Hein. Mais ça peut être cool, ça peut vous faire découvrir sa chaîne. Sachant que bah, peut-être qu'il fera des streams pendant que moi je suis pas là la semaine pro, hein, ça peut vous occuper. Bon, c'est majoritairement du League of Legends, mais bon, ça se prend. C'est un bon streamer. Donc je vais tenter de faire ça. Mais sinon, nous, on se retrouve. Lance un raid sur une chaîne. Ouais, je vais regarder ça. Suivi. Bah, je crois qu'il est même plus en stream. Ouais, il est même plus en stream. Mais du coup, c'est pas grave parce que j'ai une pote en stream. J'ai une amie qui est en stream. Donc, ça fait le taf. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça, lui, il est plus en stream. Mais ma pote, elle est en stream. Donc, on va la raid. En plus, c'est son premier stream à ma pote. Donc là, c'est le moment vraiment de vous abonner, de lui mettre des petits messages. On va la raid. On lui souhaite une bonne petite soirée. Et puis, nous, on se retrouve demain soir. On va voir ce que ça fait. Tac, si je clique sur lancer le raid. Je lance le raid. Je sais pas ce que c'est. Lancer un raid maintenant. Tac. Bah attendez, faut qu'on se mette près de la sortie. Faut qu'on se mette près de la sortie. On en a brûlé? Mais arrête! Parce que il faut. Mais non, on n'a même pas fini notre frotte! Est-ce qu'il moche, je te jure, tu trolls comme ça en vélo, bâtard! Non, t'inquiète. Du coup, je disais. Coucou! Esquimo, c'était quel truc qu'on avait Salut! tout à l'heure? Le livre qu'on a vu qui n'était pas allumé. Oh non, il y a tout le monde! Oui, je regarde mon petit.